Bonjour à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans un nouvel épisode de Draft Gap. Et dans cet épisode, on va revenir sur la finale des Worlds 2022 qui oppose les T1 aux DRX. Finale qui a duré 5 games avant d'être remportée dans le Money Time, littéralement après l'ancestral de la dernière game par les DRX 3-2. Et on a énormément de choses à analyser aujourd'hui, mesdames et messieurs, parce qu'il s'en est passé des choses dans ce BO. Il y a eu énormément d'évolutions au niveau des drafts en général. C'est vraiment aller back and forth, comme le disent les Anglais. Donc vraiment, on va avoir énormément de choses à dire. Je vais, une fois n'est pas coutume, analyser, parce que c'est la game de la finale. Donc forcément, c'est la dernière game de la saison. Au bout d'un moment, on se lâche un peu. On va analyser la draft des 5 games. Et en prime, on va même se faire une analyse de la dernière game, histoire de voir un petit peu ce qui s'est passé. J'ai pas review la dernière game depuis que je l'ai regardée en live. Donc on va en plus avoir un peu de live, un peu de redécouverte. Parce que voilà, c'est bien d'ajouter un petit peu de composants React un peu à tout ça, donc c'est cool. Même si je sais à peu près comment ça s'est fini. Donc, on va commencer par cette draft numéro 1, entre les T1 et les DRX, du coup. Et on a T1 en blue side, DRX en red side. Et on a des bans intéressants qui sont commencés des deux côtés. Des bans qui vont revenir plus ou moins à chaque game, mais dans des ordres différents. Donc on va voir un petit peu comment est-ce que ça va changer. Déjà, on sait que les bans Redside vont rester plus ou moins les mêmes en fonction de DRX, par exemple. DRX va pas vraiment beaucoup changer ses bans en Redside, sauf pour la dernière game, mais ça on verra. Donc, on a le fameux ban de Yumi, éventuellement, enfin forcément, évidemment. J'avais parié pour le coup que, après quelques games vues des Worlds, que ce serait le champion qui serait le plus banni. Apparemment, c'est Caitlyn. Donc, bah, pas de chance. Mais Yumi a été quand même banné énormément de fois. Bon, meilleur support du jeu. Les équipes ont décidément abandonné l'idée de trouver des counterpicks à ce personnage, même s'ils existent. Lucian a été banni également. Lucian, c'est souvent, pour le coup, au niveau des bans de Derek, c'est un peu normal que ce soit ban parce que c'est le bannissement de la botlane des T1, basiquement. Parce que là, s'il y a bien une différence principale qu'il y a entre la botlane Derek et la botlane T1, c'est que Derek ne joue pas Lucian Nami. Il faut le dire, ils ne le jouent pas. C'est pas qu'ils savent pas le jouer, ils ne le jouent pas. Je sais pas s'ils savent pas le jouer, s'ils veulent pas le jouer, s'ils trouvent que ça fonctionne pas assez, s'ils considèrent que c'est pas bien, si au contraire ils pensent que c'est trop fort mais qu'ils veulent pas le jouer, que ça correspond pas au style de leur draft, un truc comme ça. Je sais pas. Le fait est qu'ils ne le jouent pas et que donc ils sont obligés de le ban contre T1 du coup. Et en plus, bon, c'est toujours un ban intéressant parce que ça permet d'éviter une botlane qui peut potentiellement te détruire une game si par hasard elle venait à être accélérée. Donc, pas un si mauvais ban que ça en réalité. On a le bannissement de Caitlyn en Redside, dont on va beaucoup parler, hein, ça c'est sûr, qui est basiquement le meilleur des cas du jeu, actuellement. Donc elle est bannie, même si c'est vrai que dans ce BO, vous allez voir qu'elle aura un bon contender. On va voir qu'il y a aussi un autre AD carry qui a été pas mal plébiscité aussi. Bref. Du côté de T1, ça banne la Khalid Zeka, hein, parce que Zeka est un monstre dessus, basiquement. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à dire, hein. Si tu bannis pas la Akali, il y a peut-être moyen que tu perdes la game par défaut quand t'es contre Zeka. Sejuani, j'aime pas le ban Blueside de Sejuani, j'en ai déjà parlé, parce que c'est un pick de Blueside justement, avec le flex potentiel et Gabester entraînant pas mal de draft. Mais bon, apparemment ils veulent pas de cette idée là. Ils voulaient potentiellement que Honor soit sur d'autres picks que Sejuani et pareil pour Zeus, donc ils avaient pas de plan pour Sejuani, ils ont décidé de la ban. Et Ashe, pour éviter le combo Ashe Heimerdinger qu'il y a eu dans les games de Derix en général, et qui était assez destructeur. Donc voilà, on commence par un B1 Varus, hein. Là bon, on va en voir beaucoup des B1 Varus dans ce duel là, dans les 5 games qu'on va voir, on va en voir beaucoup des B1 Varus. Alors la logique que je vois dans le B1 Varus, c'est qu'apparemment, selon les pros, Varus, à partir du moment où Caitlyn est ban, et où il peut pas se faire tuer par Lucian Nami, ben il est apparemment intouchable et top tier et le meilleur ADC incontesté du jeu. Alors, j'aurais tendance à objecter un peu, mais c'est vrai que sa puissance est non négligeable. C'est-à-dire que l'avantage qu'il a par rapport à énormément d'ADC, et ça j'en ai parlé dans pas mal d'épisodes de Draft Gap, c'est que c'est un champion qui a plusieurs modes et qui donc rentre dans pas mal de drafts, en plus d'être très fort dans ces modes-là et d'être parmi les meilleurs à son poste. Dans ce rôle précis, dans ce thème précis. C'est-à-dire que c'est un champion qui a la capacité d'être joué en mode on-hit, en mode attack speed, donc plus dans un rôle défensif, d'être joué en mode poke, avec sa variante létalité,
Ou alors d'être joué en mode... alors, je vais faire une espèce de cible. En mode catch, on va dire. En mode catch slash nuke mono-cible avec, avec son ulti et sa variante tapée, en gros. Donc il a trois modes différents, ce qui est très très intéressant du coup, parce que tu sais jamais ce que t'affrontes avec Varus. Et là, le fait de le pick très tôt dans la game, c'est que tu sais pas trop comment est-ce qu'il va être joué, justement. Il peut aller mid théoriquement, on l'avait vu notamment en Europe avec Caps, qui peut être donc joué mid en AP. Il peut être bot en attack speed ou en létalité. Donc le pick très tôt dans la draft, ça donne pas trop d'informations sur la duel lane que tu vas avoir. Même si au bout d'un moment dans le BO, vous allez vous rendre compte que, bon... C'est très souvent un Varus botlane, quoi. C'est, la plupart du temps, ça va être un Varus botlane, quoi. Donc, ça, au moins, ça va pas être un truc qui va être bouleversé dans ce BO. Et là, on a une réponse d'Eryx à Trox Vigo. Alors... Bon. Donc, on a un champion qui peut se jouer attack speed et on décide de draft deux champions engage qui vont rentrer dans un Varus dedans. Bon. Je suis pas fan. Je suis pas fan de cette ouverture de draft. Alors je me doute bien que c'est Aatrox, c'est le Aatrox de Kingen et tout, il est trop fort dessus, je suis d'accord. Mais il y a être fort sur Aatrox et pick Aatrox volontairement dans une thématique de draft qui pour l'instant est complètement à l'encontre de ce que tu essayes de faire avec ton perso, quoi. C'est-à-dire que si tu rentres dans une composition dont le but principal c'est de bien résister aux engages, t'as beau être le meilleur de ton poste sur le personnage, ça va être très compliqué pour toi de t'exprimer dans la partie. Pareil pour Pioshik et son Viego. Donc je pense que le R1 R2 déjà il est problématique du côté de Derex dans cette première game. Ensuite il y a un pick Yone qui est pick du côté de T1. Qui est particulier du coup parce qu'on l'a jamais vu, on les a jamais vu repick Yone dans Aatrox plus tard. Mais en vrai c'est pas un pick si dégueulasse que ça dans le sens où il peut engage aussi, c'est principalement un pick d'engage d'assassinat. Mais comme il engage de plus loin, il a la capacité de réaliser des catch et aussi du coup... Vu que son ulti met un petit peu de temps à se lancer et que c'est un gros CC de zone, il peut théoriquement aussi être utilisé en réception d'engage. C'est-à-dire que tu essayes de foncer sur un Yone, basiquement tu lui donnes toutes les armes possibles pour se mettre son ulti littéralement sur toi, et là par contre tu peux pas l'esquiver. Donc c'est un pick que je considérerais pas comme étant un bon counter du début de draft de DRX, mais ça reste un champion qui est plutôt ok. En vrai, pour l'instant, surtout que c'est pas comme s'il y avait énormément de contrôle en face, donc les sweet spots d'Aatrox sont très durs à trouver sur un personnage qui a autant de mobilité, donc pour le coup c'est un Vionnier qui va pouvoir s'exprimer dans la game, pour l'instant, donc ça va. Et on a toujours ce Varus qui a la capacité de basiquement bien réceptionner l'engage, balancer un ulti à qui s'approcherait un petit peu trop près de lui, et derrière l'auto-attaque jusqu'à la mort, basiquement, tout en mettant des petits spells pour que ça marque. Donc le Varus il est plutôt yam dans sa game. Et en plus de ça, on va avoir cette Renata, du coup, qui a été sélectionnée du côté de T1 pour faire la fameuse duo lane Varus-Renata. Et la duo lane Varus-Renata, c'est pas une duo lane qui est forte intrinsèquement parce que les personnages individuellement sont forts ou parce qu'il y a une synergie particulière entre les deux. C'est juste que au niveau du thème, comme c'est deux champions qui réceptionnent très bien les engages, ben, quand tu piques des champions comme ça qui foncent dans ta composition adverse et que t'as un Aatrox qui essaye de taper le Viego. Oh non, justement, il y a un Aatrox qui essaie de taper le Varus, un Viego qui essaie de taper le Varus pour avoir un reset, et Renata qui peut juste ulti et faire bouh, et derrière aucun des personnages peut toucher le Varus, et derrière le Varus il pose son DPS tranquille. Ou derrière, en plus il est boosté par le Z de Renata, bref, c'est vraiment trop bien pour lui. Alors, le problème qu'on pourrait éventuellement donner à Renata, c'est que du coup, peut-être que tu peux considérer que ça vend dans certains côtés le Varus attack speed en botlane. Et que bon, alors pour le coup, le Yone ça peut être joué par les deux, par le mid ou par le top, mais malheureusement, on n'a pas encore vu Faker sur Yone, si je m'abuse, dans cette saison là. On va vérifier d'ailleurs. Alors attends, ça c'est la dernière game, ça. Voilà. Faker, on va regarder maintenant, tiens. Est-ce que Faker a joué Yone? Non. Il a joué Yasuo par contre, en même temps. Si on prend en compte le Spring aussi. Non. Ok. Donc. Pas d'Yone pour Faker, c'est un Yone pour Zeus en top lane. Très bien. Donc, très bien, très bien. Donc on a trois champions du côté de Derix qui veulent foncer dans la draft des T1. Et T1 a une botlane qui est littéralement faite pour se défendre. C'est un shield hein, que j'essaye de dessiner à chaque fois que je fais cette espèce de U bizarre avec une barre dessus. Au cas où.
J'essaie de mettre des symboles pour que les gens comprennent à peu près les thématiques des champions, hein, c'est pour ça. Hein. Mais ouais. Du coup, on est clairement sur une draft qui pour l'instant est gagnante du côté de T1. Derrière, les bans. Ensuite, on a Ryze, bon ban pour le coup. Pour le coup, très bon ban de Derix. Un ban qui donne, enfin, un pick qui donne pas un très bon ulti à Sylas. Et qui réceptionne bien les engage, parfait. Il souffre pas trop du manque de range qu'il a par rapport à d'autres midlaners parce que en face c'est full melee. Donc sa vie est plutôt stylée en vrai. Donc très bon ban du côté de Derix. Du coup, les T1, ça banne la Rael. Alors, j'ai vraiment du mal à voir cette Rael parce que c'est vraiment le genre de pick où tu te dis alors, oui, tu veux ban un champion engage, un support engage parce que ça va bien avec les champions en face. Mais il y a tellement 14 autres picks qui font exactement le même taf que Rael dans la game que je me demande pourquoi tu veux la ban elle spécifiquement. Donc, bon. Ok, très bien. Donc, ils veulent pas de support engage. Ça tombe bien, Derek, c'était pas parti sur ça apparemment, mais voilà. Et derrière, il banne le Ezreal, qui pour le coup, maintenant qu'on sait que le Varus est attack speed, a potentiellement l'avantage de la portée du coup, contre toute la composition de T1. Et en plus, c'est un champion qui du coup est extrêmement difficile à toucher pour le Yone, donc effectivement, bon ban aussi. Et le ban du côté de Derek, ce dernier ban qui est Graves, pour le coup, bon pick pour réceptionner les engages, donc je trouve que c'est plutôt ok. Notamment avec le Grand Drinker, tout ça qui lui donne de la survivabilité lorsque les gens lui foncent dessus et qu'il se retrouve à son corps à corps. Qui est plutôt bien, c'est un champion anti-mêlée de historique, on va dire. Et quand t'as 3 champions mêlés déjà dans ton équipe, c'est plutôt bien comme ban. Donc je respecte ces bans. Pour le coup, c'est peut-être la meilleure deuxième phase de ban du tournoi en fait. On a 4 picks qui sont plutôt. Ah oui, non, mais non, il y a Yarel. Non, j'ai rien dit. Mais c'est déjà c'est plutôt une bonne phase, une bonne deuxième phase de ban en général. Bref. On a le Heimerdinger qui est pick du côté de Derinx, et là j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi. Alors, moi je comprends. Je comprends théoriquement pourquoi est-ce que tu voudrais pick Heimerdinger contre la composition des T1. Je pense que c'est un pick qui est plutôt intéressant, en réalité, contre la composition des T1, parce que comme le Varus Attack Speed manque de range, il va potentiellement être dérangé par le Heimer. Le Heimer a l'avantage de la portée contre Renata, et il souffre pas trop du fait de se faire ulti, parce que de toute façon c'est ses tourelles qui font le taf. Donc il s'en fout un peu. Donc sa vie elle est pas si dégueulasse que ça. Bon, il peut se faire go in par Yone, mais bon, à partir du moment où il touche, où il pose sa grosse tourelle, sa vie est terminée. Ou normalement, et il peut partir sur Zhonya premier ou deuxième item, si vraiment c'est ça le problème. D'ailleurs, en plus, le Zhonya a énormément de valeur dans la composition anti-one pour l'instant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts magiques en général. Et que du coup, il y a un peu de dégâts magiques avec Yone, mais bon, c'est pas comme si c'était un Apekari, quoi. C'est pas comme si on avait un Azir en top lane, quoi. Donc, théoriquement, le Heimerdinger, il est bien dans la composition ici. C'est plutôt un. Si on devait prendre, ce serait plutôt un champion poke slash défense. Mais, du coup, comme on a deux champions défense et un champion engage, la variante. Enfin, la partie poke d'Heimerdinger est vraiment. Comment dire, elle est vraiment activée par le thème plutôt défensif des T1, parce que du coup, ils peuvent pas forcément déranger le poke incessant de Heimerdinger du coup. Donc contre la draft des T1, ça me pose pas trop de problème. Le problème que j'ai, c'est que en fait t'as ça là d'abord, avant. Et Heimerdinger, je pense que la dernière chose qu'il veut dans sa vie entière, c'est de se retrouver dans la même équipe que ces 3 gars là. Que là il y a un gros clash. Heimerdinger, la dernière chose qu'il veut faire, c'est foncer vers les adversaires. Lui il aime bien, lui sa vie elle est incroyable quand il est genre autour de cette tourelle qui peut tranquillement poke ses adversaires. Il a vraiment pas envie de go in avec ses bros là. Qui lui disent de allez mec vas-y un petit coup là on va te tirer on va les taper on leur fonce dessus mec on les bat tout ça. Non lui il veut étudier lui il veut passer son bac en fait donc lui vraiment il va vraiment pas vouloir go in sur la composition en face surtout si c'est pour foncer vers la mort donc ouais théoriquement c'est un bon pick si on avait eu des picks comme Heimerdinger sur toute la draft de Derek ils auraient gagné la draft. Malheureusement, dans sa composition, bah, il fait un peu tâche, quoi. Il est un peu off-theme, parce que c'est le seul champion qui peut pas go-in par rapport à 3 champions et bientôt 4 champions qui peuvent go-in, quoi. Derrière, on a un Lee Sin. Alors, c'est le Lee Sin d'honneur, donc il a un pass. C'est le genre de personne où tu dis, bon, il y a très peu de personnages qui peuvent faire, enfin, très peu de joueurs au monde qui peuvent faire fonctionner Lee Sin. Honneur en est l'un d'eux. Pour le coup, c'est peut-être le seul joueur au monde où je lui dis, ok, mon bro, j'ai vu tes games de Lee Sin.
à tous les joueurs de la planète, je leur dis pitié, pas Lee Sin, toi, t'as un pass. Il a le Lee Sin pass. Et les gens disent le permis de Lee Sin, tout ça, est-ce que les junglers l'ont, est-ce que les junglers l'ont pas. Pour moi, il y a qu'un seul joueur au monde qui a le permis de Lee Sin et c'est Honor. Voilà, je tiens à le dire. The Dick Eating is crazy, mais c'est basiquement ce que je vois. Alors après, nonobstant, si on oublie le fait que c'est Honor, c'est un pic terrible dans la composition, bien sûr. Parce que là, son but, c'est de trouver un catch en isolation sur un mec et de le kick dans son équipe. Tu veux kick qui, là ? À part essayer de kick un Heimerdinger qui est devant toutes ses tourelles et tout, qui va être impossible à toucher avec un Q-spell, et qui, même s'il se fait tuer, bon, bah, on a perdu Heimerdinger, les gars. Eux, ils ont perdu un jungler, donc ils peuvent plus faire les objectifs neutres, donc... bof, quoi. Je pense que le trade, ils s'en foutent un peu, quoi. Bof. Et derrière, le reste des personnages de Derix ont activement envie de se retrouver le plus proche possible de leurs adversaires. Donc c'est vraiment pas de chance, quoi. Pour moi, le Lee Sin n'est pas du tout un bon pick dans la draft de T1, mais c'est Honor, c'est un fast pass, on lui donne. Il a un Lee Sin pass, on lui donne. Tac, et tac. Voilà, pour l'instant, dans la draft, on en est là. Derrière, en même temps que le Lee Sin, c'est un Azir qui va être sélectionné. Pour le coup, le Azir, très bon pick, parce que là, on refait les thèmes. Très bon pick, troisième pick, oh, je sais pas le faire. Troisième pick défensif, du côté des T1. Tac. Donc, draft qui gagne un petit peu en cohérence, même si, bon, avec Yone et Lee Sin, c'est un peu bizarre. Mais ça reste des trois personnages qui thématiquement counter pas plutôt bien les champions des DRX. Donc ça reste une draft qui est meilleure pour l'instant. Et derrière, il y a la Sivir. Qui pour le coup, la Sivir, elle rentre plutôt bien thématiquement dans la composition DRX. Donc ça va. Mais le problème, c'est qu'elle reste très short range. Que c'est pas un Varus Poke. Donc la valeur de son spell shield est vraiment limitée pour le coup. Et que... elle run dans Azir qui a plus de portée qu'elle, Varus qui a plus de dégâts qu'elle, Renata qui peut juste lui dire allez hop maintenant tu tapes les ennemis. Et Yone la one tap quoi. Littéralement. Donc c'est un peu compliqué. Alors théoriquement, on va pas se le cacher, théoriquement en termes de dégâts purs et de scaling, théoriquement les DRX ont une meilleure composition dans un vide. C'est-à-dire que si on prend les deux compositions en isolation, la composition des DRX fait plus de dégâts que celle des T1. Mais, déjà, c'est un peu normal, parce que bon, d'un côté, il y a quand même Lee Sin, Renata, et bon, je vais essayer de pas faire d'hyperbole en disant... je pourrais dire que Renata a le dégât en late game d'un Creepcaster, mais pour être vraiment extrêmement précis, je dirais que Renata a les mêmes dégâts en late game qu'un super sbire. C'est vraiment un super sbire en termes de dégâts. Donc éventuellement, évidemment que Renata Lee Sin perd le scaling, bizarrement, contre 5 champions qui font des dégâts. Mais la question c'est, est-ce que tu peux les poser tes dégâts en fait? Et avec un ulti Renata, un ulti Azir, un ulti Varus, un Lee Sin qui peut te kick, et un Yone qui se retourne et qui t'utilise toute ta team, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe à poser comme dégâts, ça rend les setups de teamfight très compliqués pour les DRX. Ce qui fait que ils n'ont pas forcément pu poser leur game en général. Hein. Ils n'ont pas pu poser leur draft et faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire go in dans l'équipe adverse. Parce que l'équipe adverse est littéralement construite. Wow, un super bug. L'équipe adverse est littéralement construite pour parer ce genre de situation. Donc la première game a été remportée sans grosses difficultés par les T1. En même temps, c'est un peu normal parce que la plupart du temps, dans quasiment tous les BO des DRX, ils perdent la première game de manière assez convaincante d'ailleurs en réalité. C'est toujours une équipe qui monte en puissance dans les BO. Ils ont perdu 100% des Game 1, d'ailleurs. En tout cas, dans les phases d'animation directe. Donc, un peu normal. En plus, ils se sont retrouvés en Red Side, et apparemment, bon, le Red Side, ils... Ouais, enfin... voilà, quoi. C'est pas fou, quoi, en Red Side. Surtout que, bon, avoir le counter pick pour chaque rôle, pour avoir un match-up neutre en top lane, certes, un match-up gagnant en jungle, mais... sans utiliser de counter pick justement. Pour first pick la mid lane et se faire counter pick, avoir un support qui est meilleur, pour le coup c'est le seul bon counter pick, et derrière un Aikari qui peut pas forcément faire grand chose contre Varus quoi. Bon, c'est pas le meilleur red side de la planète on va dire.
Donc, victoire des T1 dans cette game 1. Pour le coup, j'ai pas forcément grand-chose d'autre à dire. On a déjà passé 20 minutes sur cette game, alors que c'est la game sur laquelle j'ai moins de trucs à dire. Donc, on va essayer d'accélérer un petit peu, même si en réalité, bon, si on fait une vidéo de 2 heures, ça va, vous m'en voudrez pas. C'est la finale, quoi. Donc, on passe sur la deuxième game, du coup. Alors là, la deuxième game, je sais pas ce qui s'est passé. Ça... Enfin, les drafts ont explosé. Et là, du coup, en vrai, j'ai dit que la première game, on avait le moins de trucs à dire. Peut-être que c'est dans celle-là que j'ai le moins de trucs à dire. Là, on est sur un cas aigu de Comfort Pick Battle, en gros. On est vraiment sur ce que je pourrais considérer comme étant la bataille des Counter Picks. En gros, ce qui s'est passé, c'est que chaque équipe a décidé, après la phase de ban, donc déjà, au niveau des bans, du coup, c'est... On va barrer les bans communs à la première game, du coup. Donc, on a Yumi et Caitlyn en red side, c'est normal. T1 qui a banni deux fois de suite la Sejuani, donc ils veulent vraiment pas la jouer pour l'instant. Donc intéressant. Et derrière le Lucian qui a été banni par Derex dans la game 1, donc ils veulent pas vraiment, ils veulent vraiment pas le jouer. Et un ban de Renata, parce qu'apparemment, bon alors Kaya a gagné dessus avec, mais après bon c'est pas comme si, il y avait pas d'autres supports qui pouvaient bien genre, jouer de manière défensive et respecter des engages quoi. Pas sûr que. En plus, bon, c'est pas comme si Renata était vraiment incontrable, quoi. Je pense que tu peux pick dans des compositions qui peuvent sans problème gérer une Renata. C'est vraiment un counter pick plus qu'un pick que tu balances comme ça en mode allez hop, c'est broken, je la mets dans mon équipe et ça gagne. Et pour ce qui est de Ryze, par contre, pour le coup, j'ai pas trop d'idées parce que pareil, c'est un counter pick. Donc, bon, pas fan de ces deux bans là, mais le reste est ok. Le reste, on a vu un peu pourquoi. Donc, on a deux bans qui sont propres au red side. On a le bannissement de T1 de Sejuani et le bannissement de DRX de Lucian. Derrière, ça a B1 Varus, comme la game d'avant, littéralement. Sauf que c'est l'autre équipe maintenant qui le bannit. Enfin, qui le pique, je veux dire. Encore une fois, certainement pour la logique qu'il n'y a pas Caitlyn. Et cette fois-ci, c'est Ashe qui s'élance dans la bataille contre Varus. Donc, Ashe a la capacité de... Pour le coup, par rapport à Varus, qui pour le coup maintenant on va pouvoir le dire va être tout le temps botlane, a la capacité par rapport à Varus de gagner la bataille du poke, en gros. C'est-à-dire que elle a son Z plus souvent que Varus a sa flèche, et son ulti a plus de portée que l'ulti de Varus, ce qui fait qu'elle peut réussir à trouver des catchs intéressants contre lui s'il prend pas cleanse ou s'il a pas la cleanse à ce moment-là. Et je crois que la cleanse a pour le coup pas autant de cooldown que. Enfin, un cooldown plus long que le cooldown de l'ulti H, à partir du niveau 2, même plus, je crois. Donc ça reste quand même un pick qui est plutôt intéressant, surtout quand on affronte un carry statique comme Varus, quoi. Et derrière, ça counter pick avec Traxxus. Alors, on en est au même point. Hein. C'est... Je vois pas pourquoi. Enfin, oui, alors je comprends pourquoi les gens pick Aatrox très tôt dans la partie parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas grand chose qui counter pick, enfin qui counter Aatrox dans la game. Après, j'argumenterai qu'il vient de perdre une game. Et que Yone est toujours là. Mais bon. En gros, il décide de piquer Aatrox lorsqu'il dit ah non, il faut qu'on le sécurise. Et... Voilà. T1, ce qui se passe certainement, c'est que dans leur tête, ils ont une liste. Ils ont une liste. Et je pense que c'est pareil pour Derex d'ailleurs. Mais surtout T1, je pense que c'est flagrant pour T1. Ils ont une liste des champions. Voilà. Pour chaque rôle. Et ils ont une tier liste des champions pour chaque rôle. Un classement. Et dès qu'ils doivent piquer un truc et qu'ils savent pas quoi piquer, ils font ok. Ce pic là, est-ce qu'il est banni? Non. Est-ce qu'il est pique? Oui ou non? Je sais pas. Il est pique? Ok. Non. Le suivant, il est banni? Non. Il est pique? Non. Ok, on le sélectionne. Jungle maintenant. Pareil, on refait la même chose. Machin, est-ce qu'il est pique? Oui. Ok, on le fait pas du coup. Lui, il est pique? Oui. Ok, pareil. Lui, il est pique? Non. Allez, on le prend. C'est basiquement ce qu'ils ont fait là dans cette draft. Donc là, Aatrox, top 1 de leur classement, ils le piquent. Très bien. Ashe, pour le coup, là, c'était littéralement... Là, ils ont essayé de counter-pick le Darius, donc ok. D'ailleurs, c'est Heimerdinger qui est sélectionné en réponse. Heimerdinger, sa vie, elle est incroyable contre à peu près ces deux personnages-là. Parce que, certes, Ashe, elle poke avec son Z et tout, ça c'est bien. Après, au bout d'un moment dans la partie, son Z fait plus assez de dégâts pour être une source... de dégâts particulièrement puissantes. Et surtout, Mordignan, il se met derrière ses tourelles et sa vie, elle est incroyable. Donc derrière, il peut avoir l'avantage de la range, si, jusqu'à ce qu'il se fasse ulti, mais ça, c'est...
Là, c'est un autre point de vue. Mais après, là, le problème qu'on avait avec I'm Warning Earth, c'est qu'apparemment, dans les games, il n'arrivait littéralement pas à se one-shot quand il se faisait arrow. Mais ça, on en reparlera plus tard. Ça, c'est un truc qu'on parlera plus tard. Mais théoriquement, c'est vrai que si Ash balance son arrow sur I'm Warning Earth et qu'elle arrive à le toucher malgré le buff de vitesse de déplacement qu'il a quand il est à côté de ses tours ou des tourelles de son équipe, et eh ben, théoriquement, le I'm Warning Earth, il est censé crever. Mais c'est vrai que dans la phase de lane, Varus, I'm Warning Earth, ça gagne, théoriquement. Jusqu'à ce qu'il y a Lux qui prime, mais bref. Et là, on a Kingen qui décide de counterpick à Aatrox avec Camille. Ok, très bien. Donc il estime que Camille est plus intéressante, enfin est un vrai counter d'Aatrox, que j'aurais tendance à comprendre, pour le coup. Au vu des interactions que j'ai vues en top lane et de comment je m'imagine le match-up, j'ose espérer et je peux comprendre que Camille soit considérée comme un counter d'Aatrox, pour le coup. Et en vrai, même s'il a un petit peu fuck up son 1v1, ce qui a foussé Beryl à essayer de commit un peu trop pour avoir le kill contre Zeus, et que derrière ça a forcé un trade kill parce que Beryl s'est fait catch juste après. Il y a eu des moments où vraiment on sentait que Camille avait l'ascendant sur Aatrox parce qu'il peut pas balancer, il peut pas utiliser ses sweet spots aussi facilement quand il est contre Camille. Il peut littéralement dodge deux de ses trois sweet spots, donc derrière au bout d'un moment c'est un peu compliqué pour lui de jouer. Et c'est bon, c'est du skill matchup on va dire, mais je pense que pour moi c'est 60-40 pour Camille quoi. Surtout Camille dans son but dans la game, ça va pas être de toucher Aatrox. Hein. Elle, sa cible, c'est tout sauf Aatrox. Aatrox, il est genre dernier dans la tier list, dans le classement, là, des champions sur lesquels elle veut grind. Hein, donc, avec bien évident en numéro 1, cette magnifique hache. Et potentiellement la botlane derrière qui arrive. Bon, je vais pas faire tout le classement, mais voilà. Donc, voilà. Ils ont piqué Camille parce que ça a légèrement l'ascendant sur Aatrox. Bref, là on a deux counterpicks utilisés du côté des deux côtés. Derrière, on va avoir Lux qui va être sélectionné contre I'm Warning Earth. Je pense que Lux est un des champions qui peut potentiellement challenge I'm Warning Earth en lane. Donc c'est plutôt intéressant. La question c'est est-ce que tu arrives à la rendre utile dans la composition plus tard. Normalement, elle a les dégâts suffisants pour pouvoir empêcher I'm Warning Earth de trop poser des tourelles. Et donc de sécuriser un petit peu trop le terrain avec justement son contrôle de terrain des tourelles. Donc, ça a tendance à avoir l'avantage. Surtout qu'elle a outrange le I'm Warning Earth, elle peut le trouver, elle peut le catch à n'importe quel moment de la partie, pourquoi pas. Bon, le problème c'est qu'ils n'arrivaient pas à tuer I'm Warning Earth quand ils arrivent à trouver un catch sur lui avec Ashe et Lux, mais ça on en reparlera plus tard. Bref, pour l'instant, théoriquement, T1 est légèrement en avance dans la draft. Derrière, on a eu des bans, donc le bannissement de la Khalid Zeka, ok, et le bannissement de la Kindred de Pioshik. Donc là, c'est vraiment des counterpicks, vraiment des picks de joueurs, plus que des picks contre la draft que t'as actuellement. Et si j'ai pas parlé particulièrement de l'identité de la draft, c'est que on va y en parler encore plus tard, justement. Là, ban de Nocturne, parce que raison. Peut-être qu'ils veulent vraiment pas. Peut-être qu'ils considèrent que Varus peut se faire go in par Nocturne et mourir, peut-être. Je sais pas. Peut-être que c'est le counter caché de Varus. Parce que tu peux pas Q spell puis R pour empêcher le Nocturne de venir te taper et en baisant son spell shield. Je sais pas. Et derrière, on a le bannissement de Azir qui, pour le coup, lui est plutôt smart en réalité. Parce que Azir met une petite vitesse à Varus attack speed et à Mordinger. Et il peut facilement dire à Camille, barre-toi de sur moi. Donc ok, je peux comprendre. Je peux comprendre pour le pic d'Azir, donc ça va. Donc c'est le Azir de Faker, quoi. En R4, il va y avoir Graves. Graves, voilà. Encore une fois, typiquement, le champion où on était là en mode, ok, la tier list des junglers, ok, il n'y a pas Kindred, ok. De toute façon, on ne le jouait pas, de toute façon. Est-ce que Graves est ban? Non, ok. Bah, pour nous, c'est le meilleur pick dans la jungle, on le pique, bam. On le slap dans notre composition. Très bien. Tant pis, il a pas vraiment de sens. On le pique quand même. Très bien. Derrière, en réponse, Derrix, bon, pour le coup, ils font un peu pareil. Ils font, ok, c'est qui dans la liste des junglers le deuxième meilleur? Bon, Viego. Allez, hop, on le pique. Très bien. Derrière, Zeka. Bon, bah, Zeka, il aime bien Sylas. Il y a Sakali qui est ban. Il aime bien Sylas. Il prend Sylas. Et puis, hop. Parfait. Très bien. Et derrière, T1, ils font, ok, Sylas, c'est quoi qui est sympa contre Sylas? Bah, Victor, il esquive un peu et tout, il met des mouvements, il a des gros bursts et tout, vas-y, on le prend. Et en plus, il pourra prendre Crown, ce sera parfait, il va pas sur one shot pour Sylas, ça va être génial. Ok.
Maintenant que j'ai parlé des raisons pour lesquelles les équipes ont pick leur champion, on va pouvoir parler de qui gagne la draft. C'est très dur. C'est très dur parce que, en réalité, là, j'aurais presque envie de dire T1. Mais, enfin, c'est vraiment... Pour moi, la draft a aucun sens de tes côtés. C'est-à-dire que là, on a Varus qui est défensif slash poke. Voilà. Je devrais pas faire sa flèche là, on dit ça. Bref. Pareil pour Heimer. On a Camille qui go in, Diego qui go in, Silas qui go in. Là, on a Ashe. Ashe, elle est plutôt défensive slash catch, on va dire. Plus que poke en réalité. Aatrox, il go in. Lux, elle poke. Slash catch, du coup. Tac. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais vous avez compris, quoi. Graves, il reçoit. Et Victor, il reçoit. Bon. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer en quoi est-ce que les drafts ont aucun sens de ce côté? Parce que en vrai, c'est pas qu'elles ont aucun sens. C'est que les drafts de cette Game 2 sont pas pensés thématiquement. C'est simple. Genre littéralement. C'est pour ça que j'ai pas parlé du thème de chaque personnage une fois qu'on les piquait au fur et à mesure de la draft. C'est parce que vraiment, littéralement, ils ont pas réfléchi comme ça. Ils ont réfléchi à base de quel champion on a envie de jouer dans cette game là et quel champion peut counter le champion qui a été pick en face, s'il a déjà été pick dans notre rôle. Et du coup, bah, ils ont fait ça. Mais ça donne des drafts qui ont vraiment aucun sens, du coup, pour le coup, parce que genre aucun des champions veut faire la même chose que ses potes. À la limite, les champions qui sont le plus cohérents, c'est les trois derniers picks de DRX. Voilà. Mais le reste est un peu dégueulasse. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est le plot twist de Varus. Parce que du coup, là, le Varus ici, c'est pas un Varus... c'est pas un Varus défensif. C'est un Varus létalité. Donc c'est un Varus poke. Et donc le Varus poke, il a l'avantage de la range contre Ashe, parce qu'il a une cleanse, donc il s'en fout un peu de l'arrow. Il a l'avantage de la range contre Lux, pour à peu près les mêmes raisons d'ailleurs. Il a l'avantage de la range contre Aatrox. En plus, il a son ulti au cas où si vraiment Aatrox il décide de go Berserk. Il a l'avantage de la range contre Graves. Et il a l'avantage de la range contre Victor. Donc Varus Poke, il est un peu dieu dans cette game, pour le coup. Et après, par contre, le problème qu'on a, c'est que c'est un petit peu compliqué, par contre, pour le reste de Derix, vu qu'il y a quand même énormément de dégâts du côté de T1. Et qu'il y a la capacité de pouvoir nuke des mecs grâce à Graves et Victor qui font les dégâts principaux, tandis que Lux, Aatrox et Ashe tentent de trouver des catch en réalité. Donc je donnerais quand même la draft à T1 quand même, je pense. Notamment parce que le scaling, je pense, est meilleur du côté de T1 pour le coup. Est censé être meilleur du côté de T1. Et parce que bon, normalement ça va être un peu compliqué pour les Derix de trouver de manière consistante des catch. À part la Lux qui peut potentiellement se faire catch assez facilement, le reste est pas... facilement killable, quoi. Même si c'est vrai que la hache aussi est un peu complexe. C'est un peu complexe de jouer à hache dans cette partie. D'ailleurs, Gomayushi, il a pas eu une bonne game. Après, la question, c'est est-ce qu'il a pas une bonne game parce que son pick peut rien faire dans la draft? Potentiellement, oui, parce qu'il se fait outrange slash go in par à peu près tout le monde. Et que pour le coup, il a zéro protection dans la game parce qu'ils sont full squishy. Après, moi, je pense qu'il y a quand même autre chose. Et on va pouvoir parler de la raison pour laquelle personne se faisait one tap. C'est ça le truc, c'est que on a une composition qui, pour le coup, est très bonne dans le fait de one tap. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, par exemple, contrôle de full avec l'ulti et le ZN. Derrière, pareil, contrôle de full ici. Et là, l'engage de Aatrox, potentiellement, si go in et qui fait des trucs et qui trouve des Q-spells. Et derrière, eux, ils sont censés mettre les nukes, là. Graves et Victor, ils sont censés partir full EPS et one tap les gens. Ils sont censés follow up sur l'engage ou sur le catch et détruire la cible. Et une fois qu'ils détruisent la cible... on se retrouve en 4v5 et le Derix peut pas forcément fight. Le problème, c'est que cette game là, elle a pas été perdue à la draft de T1, elle a été perdue à l'itemisation. Et là, on va pouvoir invoquer Goal, donc Games of Legends, pour pouvoir expliquer pourquoi est-ce que selon moi l'itemisation a coûté la game à T1. Donc, déjà, on va commencer par le plus obvious. Donc, le build de Faker sur cette game, c'est Crown into Zhonya, into Flea of Lich, into Rabadon à 37 minutes, into Voidstaff à 41 minutes. Donc, je répète, il a pris la Crown à 14 minutes,
Parce qu'il veut pas se faire engage par les 3 mecs du top side de Derix. Mais, du coup, cette crown, elle se fait péter assez facilement par n'importe quel spell de Heimerdinger ou une arrow de Varus. Donc elle sert à rien la plupart du temps. Et en plus, les rares fois où elle a pu être utilisée pour contrer une engage, ça l'a pas vraiment sorti d'affaire, au contraire. Le fléau de Lich, pour le coup, lui, il a absolument aucun intérêt, je pense, honnêtement. Je pense que là, pour le coup, Voice Staff est littéralement mieux. Donc, ouais, je pense pas que la vitesse de placement fasse énormément de différence par rapport à... Par rapport à Faker. Par rapport à l'équipe en face, en réalité. Donc, voilà. Et surtout, ça fait, je pense, vraiment littéralement moins de dégâts que le Void Staff sur un combo entier. Donc, je pense vraiment que c'est pas du tout un bon item dans la situation. Derrière, il met un Rabadon extrêmement late à 37 minutes. Donc, en quatrième item. Le problème, c'est que le Rabadon, il est pas trop accepté. Il est pas trop activé, quoi. Parce qu'on a beau avoir 4 items du côté de Faker, on a potentiellement les items qui donnent le moins d'AP en juxtaposés tous ensemble, quoi. La Crown donne moins de gold, enfin de moins d'AP que Everfrost, si je me trompe pas. Je vais regarder pour être sûr, mais je crois que la Crown donne moins de... donne moins de, d'AP avec les nerfs qu'ils ont eu. Tac. En passif mythique, c'est 8 de puissance. 8 de puissance pour seulement 70 gagnés de 70 dès le début. Sachant que t'en gagnes avec la crown, mais avec quand la crown est activée, mais elle est quasiment jamais activée plus longtemps. Enfin, plus longtemps que genre 30 secondes parce que Varus, quoi. Et c'est plus 10 de puissance pour 70 de puissance sur le gel éternel, donc le Leoros. Pour le coup, je pense qu'Everfrost est littéralement meilleur dans cette game, si tu, vraiment tu veux jouer de manière défensive, parce que comme à part Deft et Beryl, donc à part Varus et Heimerdinger, t'as que des mêlées, et que ces mêlées vont te foncer dessus forcément, avoir Everfrost, ça te permet de gagner du temps plus que tu gagnerais du temps avec ta crown, parce que ça permet de basiquement empêcher les adversaires de toucher plus longtemps que ça, quoi. D'ailleurs, tu pars sur Phase Rush, je pense que t'es littéralement intouchable. Sauf si Kingan essaie de tout mettre sur ta gueule, et derrière, par contre, il a littéralement plus rien, c'est-à-dire qu'il est obligé de genre... E-in, flash-in, ulti, des trucs comme ça. Il est obligé de dépenser énormément de ressources pour être à ton corps à corps. Et dans ce cas-là, potentiellement, ton équipe peut te protéger derrière parce qu'il n'y a pas forcément moyen pour Kingan derrière de s'extraire du fight. Ou de temporiser après le go-in. Quoi. Donc, je pense qu'Infrost a un meilleur choix de mythique dans cette game-là, même si, honnêtement, n'importe quelle autre optimisation de dégâts, notamment donc Liandry ou Luden, mais surtout Liandry, je pense. Enfin, quoique, là, il n'y a pas énormément de PV non plus. Donc, le... Ah non, en vrai il y a 3 builders d'HP, 4, non c'est Liandry dans cette game. Donc ouais, Liandry ferait littéralement plus de dégâts et aiderait vachement plus plus Faker en réalité dans la game, donc je pense que Liandry est le meilleur item, mais que si tu veux partir sur un item vraiment défensif, Everfrost est un meilleur choix que Crown. Mais derrière il est obligé de partir sur Zhonya, parce qu'il se rend compte que la Crown n'est pas suffisante du coup, et qu'elle se fait pop trop facilement. Mais du coup derrière tu te retrouves avec 2 items. Il donne pas tellement d'AP que ça, même s'il y a un buff de Zhonya, on est clairement pas sur du 100 d'AP ou du 110 d'AP que donne par exemple le comment il s'appelle, ah, Shadow Flame. Donc c'est un peu dégueulasse en réalité. Et là on se retrouve avec voilà, donc le Fléau de Lich il donne 75, la Crown elle donne 70 et le Zhonya il donne 85 je crois, un truc comme ça. Donc c'est clairement pas l'itemisation, c'est clairement pas les 3 items AP, c'est 80 le Zhonya, donc c'est encore moins. Donc c'est clairement pas l'itemisation qui donne le plus d'AP du côté de Faker. Donc le Rabadon a pas tellement de valeur alors qu'il arrive en quatrième item. Et très très tard dans la game. Et ensuite, on a le bâton du vide. Et ce bâton du vide là, par contre, il est bien. Mais il devrait arriver 40 minutes plus tôt, quoi. Enfin non, peut-être pas 40 minutes. On va dire qu'il devrait arriver 20 minutes plus tôt, quoi. Il devrait être pique à la place du Zhonya, à la limite. Que ton but dans la game, c'est vraiment de trouver un one tap, c'est pas de survivre à l'engage. Je pense que si tu te fais go in avec Faker, t'as besoin de, même avec tous les items défensifs du monde, tu meurs hein, pour le coup. Donc pour moi vraiment, soit tu pars sur vraiment une itemisation full bruiser, dans ce cas là tu pars sur des trucs vraiment genre je fais pas de dégâts mais par contre je tank de fou. Donc tu pars sur des démoniques embrace, des Riley, des trucs comme ça, tu vois. Vraiment si tu veux, si ton but c'est vraiment de jamais crever dans la game. Mais là vu qu'il est parti sur Fléau de Lich après son Zhonya et sa crown. Et derrière Rabadon, bah il est pas tellement tanky que ça en fait. Donc il se fait quand même one shot, même avec tout ça. Surtout que l'armure a pas de valeur contre la Camille. Ni contre le Sylas, ni contre le Heimer.
Et derrière, le bâton du vide, il, c'est encore un item qui donne pas énormément d'AP, quoi. Donc c'est pas comme s'il allait remonter le Rabadon, quoi. Donc vraiment, je suis vraiment pas fan de cette itemisation sur Faker. Et surtout, je suis pas fan du nombre de control wards qu'il prend, wesh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 putains de control wards, ça fait quasiment 1000 gold dépensés. Dans une game entière. Alors, je suis d'accord que les control wards, c'est important, compétitif, machin. C'est pour la, voilà, c'est de la vision, c'est l'information, c'est la différence entre un kill et une mort, un truc comme ça. Oui, d'accord. Mais autant ? Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'à chaque back, là, il est obligé d'acheter deux control wards, là ? En plus, quand il a son spike d'item, il prend des control wards derrière. Là, il a back 2 minutes après avoir acheté, ou peut-être quand il est mort, je sais pas. Il a buy 2 control wards, il les a posés les deux, alors qu'il peut en avoir qu'une sur le terrain. Donc c'est vraiment, il en a posé une, elle s'est fait péter instant, puis il en a reposé une. Ou alors il a littéralement volontairement décidé de dépenser la deuxième control ward en enlevant la première qu'il avait. Et derrière, il a back, il en a réacheté deux, et c'est la seule chose qu'il a acheté. C'est complexe, quoi. Alors, je sais que c'est utile, mais à ce point-là, je pense que là, au bout d'un moment, on se met vraiment derrière, surtout avec l'itemisation qu'il a. Ensuite, on a Honor. Bon, Honor, c'est Graves, quoi. Donc, il part sur Umbral Glaive, puis Groundbreaker. J'aime pas le start Umbral Glaive. Je pense que dans cette game particulièrement, soit tu pars sur une itemisation plus Bruiser, vraiment, et tu pars pas sur Umbral Glaive. Et comme ça, t'as une grosse valeur du Groundbreaker. Soit tu décides de vraiment jouer le one-shot d'un mec qui se fera arrow par H, et dans ce cas-là tu pars Eclipse, et derrière tu pars sur un truc full létalité. Mais là l'espèce de combo hybride qui nous a sorti, ça a vraiment pas fonctionné selon moi, parce que du coup il avait pas du tout les dégâts pour aider au one-shot des cibles adverses, et il avait un bon clear de jungle, ça c'est vrai, mais après ça allait pas plus loin, quoi, malheureusement. Et derrière, vu qu'il n'arrivait pas à être utile dans le one-shot, il se faisait juste go-in, et alors oui t'as Gordrinker, oui t'as Malmortus, oui, t'as un peu d'HP avec cœur gelé, enfin avec bouclier, le merde, comment il s'appelle, le couperet noir. Mais au bout d'un moment, quand t'as 3 mecs qui te foncent dessus, dont une Camille qui te fait des dégâts bruts, un ulti Shogat, les 3 secondes, c'est compliqué. C'est compliqué, quoi. Donc pareil, un peu compliqué. Les control wards se justifient un petit peu plus parce que c'est le jungler, on va dire. Mais ouais, c'est complexe. Et derrière, on a Zeus qui part sur Eclipse, donc ça c'est ok. Et deuxième item, par contre, il part sur le Kempunk Chainsword, c'est ça. Je comprends pas. C'est la première fois que je vois un Azir létalité partir sur ça. Si on regarde le build de Kingen sur la première game, c'est ça. Il est parti sur Death Dance. Et ensuite, il partait sur quoi ? Force of Nature ? Enfin, il partait directement sur la tankiness pour permettre derrière de poser ses dégâts en général, quoi. Et il avait un item qui lui permettait littéralement de mettre plus de dégâts en teamfight et d'être plus utile en général et de permettre d'avoir des resets plus rapidement. Le problème du build de Zeus, c'est qu'on se retrouve avec une Chainsword qui certes applique de l'hémorragie et te donne un peu de PV, un peu d'AD, mais c'est tout, quoi. Et l'hémorragie, elle te sert contre Zeka, mais c'est tout, en fait, basiquement. Parce que vous n'allez pas me dire que le Sunderer de Viego et de Camille et l'Eclipse de Varus, ça vaut un anti-heal, quoi. C'est pas comme si la régène était tellement forte qu'on avait vraiment besoin d'un mec qui applique l'anti-heal en zone comme Aatrox, quoi. Qu'un mec se stun volontairement son build pour vraiment réussir à appliquer de l'hémorragie, alors qu'en vrai, ça représente même pas le tiers du kit de l'adversaire, quoi. Donc je suis vraiment pas fan de ce deuxième item. Derrière, ça ralentit énormément son spike avec la Death Dance. Il y a son troisième item à la 31ème minute. Faker, son troisième item, il a eu quoi ? 28, il a eu genre 3 minutes plus tôt. Alors qu'il avait acheté moult control ward. Donc ouais, c'est compliqué. Et derrière, il part sur Malmortus, ce qui est pas si dégueulasse que ça. Mais le problème, c'est que le Chainsword le limite trop dans ses dégâts, quoi. Gouma, il est parti sur Runan, ce que je trouve vraiment bizarre pour le coup. Alors à la limite, le shieldbow, je peux comprendre, parce qu'encore une fois, il va se faire go-in. Mais le Runan, je comprends vraiment pas beaucoup. Je sais qu'il va se faire auto-attaque par pas mal de gens, donc c'est intéressant dans ce niveau-là, mais derrière il part sur... comment il s'appelle ? Il part sur Dominique, mais du coup il obtient pas le spike d'avoir un des troisième item avec soit l'âme d'infini, soit Ginzo. Et certes c'est un bon item à prendre pour les AD carry en général, mais je sais pas si dans cette game-là particulièrement il avait vraiment besoin de partir sur Dominique, on va voir. La Camille a une Death Dance ? Non, elle a juste un ange gardien et des tabis. Ouais.
Viego, il a un ange gardien inétabli, ouais. Il a un Zonia. Là, il a rien. Et là, il a rien. Bon. Ça se justifie. Oh mon dieu, le nombre de pings. Non, il faut pas que je regarde ça. Non, ok. Faut pas que je calcule ces pings là. Mais bref. Donc, ouais, c'est un truc qui se justifie, mais c'est vrai que du coup, t'as pas le spike que tu voudrais avec la Ginzo et. Ou la lame d'infini, et derrière tu pars sur ange gardien, ce qui n'a absolument aucun sens parce qu'il y a zéro moyen que tu te fasses pas instantanément pop ton deuxième ange gardien, enfin ta deuxième vie instantanément après le pop de ton ange gardien, quoi, parce que t'es H et que t'as aucune capacité de wake up, on va dire. T'as aucune capacité qui se lance rapidement qui pourrait servir à clutch un truc ou à permettre de te repositionner, t'as aucun dash. Donc c'est pas comme si vraiment ton ange gardien te permettait vraiment de plus t'exprimer en teamfight. Je pense que là, à ce moment-là, tu devrais partir sur Ginzo si vraiment tu veux faire des trucs. Ou alors peut-être Zonia, à la limite, si vraiment tu veux temporiser. Je pense que Zonia a peut-être plus de chances de temporiser quoi que ce soit que l'Ange Gardien, sachant que c'est pas forcément perdu, puisque l'ulti a un ratio AP sur Rage, donc c'est pas comme si c'était un item qui te servait à rien. Et Karia, par contre, le problème... Alors, c'est très smart de Karia d'être parti sur le Mikael, pour le coup, parce que la seule manière qu'ils avaient, c'est de se faire focus, c'est de faire one shot jusqu'à la mort avec l'ultivirus, tout ça. Donc je peux comprendre pourquoi il est parti sur Mikael avec Lux en premier. Le problème, c'est que vu que le reste de son équipe faisait pas de dégâts, et ben lui, comme il est parti sur Mikael en premier, ben il faisait pas de dégâts non plus. Et du coup, on n'arrivait pas à trouver de one tap et on mettait midlife en Hammerdinger avec un full combo de Lux alors qu'on était censé être devant, quoi. Donc selon moi, T1 n'a pas perdu cette game 2 sur la draft. Parce que en réalité, la draft, bon, je pense qu'elle est légèrement favorable en réalité. Mais avec l'itemisation, on n'a pas assez de dégâts en réalité du côté de T1. Et on finit, même dans les teamfights à plus de 30 minutes de jeu, où on est à égalité au niveau des golds, bah, on perd quand même l'actuel de manière assez claire. Certes, parce qu'il y a eu aussi des problèmes de macro et que Goumayoussi aussi ne pouvait pas autant jouer la game qu'il le voulait. Mais on a aussi, je pense, des déficits de dégâts énormes par rapport à l'adversaire. Que de l'autre côté, c'était clinique, quoi. C'est Eclipse, Muramana, Serilda, derrière un petit Edge of Night pour pas se prendre les arrows de H. Zeka, il a fait Everfrost. Bon, Zonia, bon, ça c'est normal. Rabadon derrière into Voidstaff. Donc Voidstaff, il a eu au quatrième item, alors que au quatrième item, Faker, il avait... Est-ce qu'à 35 minutes, il avait son Rabadon? Même pas. Donc Zeka, il a eu son spike Voidstaff avant le spike Rabadon de Faker. Non, Pioshik, je vais pas regarder ses items. Mais. Mais voilà. Et derrière, on a Kingen. Voilà, bon. J'aime pas l'ange gardien, mais en dehors de ça, c'est pareil. C'est plutôt standard, c'est plutôt bien vu. Plutôt clinique. Donc, ouais. Pour moi, la game 2, elle a plus été perdue aux items qu'à la draft en réalité. Parce que forcément, ça change énormément la dynamique de la partie quand on a une composition qui est basée sur le catch potentiel de trouver des one-shots sur des cibles, mais que tu peux pas les one-shots parce que tes champions font pas de dégâts, quoi. Game 3 ensuite, du coup, on passe sur la première game où Kalista est pick, c'est ça? Exactement, c'est ça. Donc on a toujours les mêmes bans, donc on a la Kali pour Zeka, la Sejuani parce que c'est T1, et la Ashe parce que Ashe Heimerdinger, la Yumi et la Kimi parce que c'est Redside, et le Lucian parce que c'est DRX. Donc voilà, pour le coup, là, les trois bans ne changent pas du tout. Le B1 Varus, ça ne change pas, pour le coup. Et cette fois-ci, la super idée de Derex pour counter Varus, c'est Kalista Renata. Alors là, on l'a bien baisé, ce Varus. Ha ! Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, là, hein ? Alors, maintenant, on a une Kalista. Ouais. Elle fait exactement la même chose que Varus Attack Speed, en moins bien. Et en plus, on a une Renata qui sert à rien, du coup, parce que le Varus, il va jamais go in sur la Kalista. Ah bah là, franchement, c'est parfait. En plus, l'avantage de Varus, c'est comme il veut partir sur Cleanse, il a absolument rien à foutre de l'ulti de Renata. Donc, vraiment, il n'y a absolument aucune chance que ce combo fonctionne en botlane. C'est incroyable. Derrière, il y a Azir Karma. C'est la draft est perdue à partir du moment où il part. Dès le B3, la draft est perdue, quoi. C'est-à-dire qu'on a une botlane
Parce que le pire, c'est ça qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, je trouve ça incroyable. Je suis sûr qu'à chaque fois, les équipes continuent de pick Kalista avec un pick genre Renata ou autre chose, parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont avoir la pression en lane en début de partie, et que derrière, ils vont pouvoir snowball potentiellement, et ils ont quand même, ils se disent quand même, bon, on s'en fout, Kalista, ça reste utilitaire, ça permet de tuer les objectifs très vite, et au pire, il a l'ulti pour pouvoir engager le truc. Et pour permettre de sauver son support, quoi. Donc ça a de la valeur, quand même. Le problème, c'est que, un, ils perdent pas... Ils perdent la prio tout le temps, instantanément. Genre, littéralement, à partir du niveau 2, ils perdent la prio, déjà. Donc, ils perdent la prio tout le temps. Du coup, vu qu'ils perdent la prio, ils ont pas les objectifs, donc ils peuvent pas les commencer, donc ils peuvent pas utiliser leur capacité d'objectif. Et, bah, en fait, comme on est sur des drafts de T1 qui ont pas besoin d'engage, et ben, bah, en fait, ils s'en foutent de catch la Renata. Donc, bof. Bof, je suis pas extrêmement fan de Kalista en général, mais là, dans... Là, dans cette game, je pense que c'est particulièrement mal drafté, hein, en plus. Et derrière, il y a le Sylas, bon, bah... Là, en plus, le truc, c'est que il y avait un facteur intéressant du côté de Sylas par rapport aux autres drafts dont j'avais pas parlé pour l'instant, c'est que, peu importe la draft dans laquelle était pick Sylas, il avait des ultis stylés à voler. C'est-à-dire que, dans la game 2, il avait la Road Ash, il avait potentiellement l'ulti d'Aatrox, il avait un ulti Lux, un ulti Graves, un ulti Victor. Les 5 ultis sont intéressants. La game 1, il a... Varus, pareil. Yone, bon, c'est un peu moins bien, mais ça passe. Renata, c'est bien. Lee Sin, bon, ça pue la merde. Mais, et après, il a Azir qui est vachement bien. Là, dans cette game-là particulièrement... Dans cette game-là particulièrement, c'est plutôt chum, en vrai. Hein. C'est-à-dire que là, il a toujours l'ulti de Varus et l'ulti d'Azir, ok, c'est vrai. L'ulti Graves, un peu... Et par contre, l'ulti Gragas, il est bien pour le coup. Le reste, il est bien. Ça fait que 3 ultis. Ça reste intéressant, ça reste bien pour un Sylas, mais c'est vrai qu'on n'est pas au niveau des deux drafts précédentes. Mais après, au moins, c'est cohérent. C'est-à-dire que là, on... Non, c'est pas cohérent. Enfin, si. En gros, Renata, elle est là pour défendre, mais bon, là, vu qu'il y a Kalista, elle va go in, hein, du coup. Donc au moins, là, c'est un peu cohérent, on va dire. Même si c'est pas du tout la meilleure manière d'utiliser Renata, au moins, bon, c'est cohérent, on va dire. Derrière, c'est vrai que Karma pourrait être soit pour un autre AD carry, enfin un autre support enchanteur qui pourrait mieux réceptionner que ça. Je pense par exemple qu'un ulti, enfin un ulti Janna par exemple, où est-ce qu'elle est ? Oh putain, merde. Un ulti Janna pourrait être extrêmement intéressant, évaluable, notamment parce que le Sylas peut littéralement jamais approcher tes carry. Genre, s'il s'approche, il se prend littéralement une tornade, un zéphyr, un fou. Ton ulti là, ça bourrasque les géantes. Le mec peut littéralement jamais toucher tes carries. Donc sa vie elle est incroyablement dégueulasse. Et c'est quand même plus intéressant. Même si Karma est pas si dégueulasse que ça non plus, parce que son buff de mouvement speed avec le shield, même s'il est souvent et principalement utilisé pour engage, reste quand même aussi intéressant pour pouvoir kite les adversaires. Donc c'est pas si dégueulasse que ça. D'ailleurs, au niveau des bans, on a le Aatrox parce que ça n'a pas été piqué en première rotation et que c'est le top laner le plus fort selon T1. Le ban de Piocyk parce que c'est... Le ban de Kindred parce que c'est Piocyk, justement. Le ban de Piocyk. Ouais, ils bannent 50% de Piocyk hein, quand ils bannent Kindred, donc je comprends. D'ailleurs, le ban de Yone. Ah oui, non, parce qu'en fait, ils ont ban Yone d'abord, les Derix, donc derrière, les T1 ont ban Aatrox parce qu'ils ont vu que leur counterpick à Aatrox avait déjà été ban. Donc ils pouvaient pas laisser Aatrox open. Et derrière, le ban de Lee Sin parce que c'est honneur. Ok. Derrière, Viego. Au moins, là, c'est cohérent du côté des Derix. On fonce, là, on est bien... Enfin, bon, pas vraiment pour Renata, mais avec Alista, elle fonce. Donc au moins, on est cohérent du côté de Derix. Après, est-ce que c'est cohérent pour le mieux? Je suis pas sûr, parce que derrière, on a un autre Graves qui va encore réceptionner l'engage, et un Gragas qui va faire pareil, en fait. Il va se mettre en mode, tu t'approches mon carry, je te mets un giga flux explosif dans la face, et je t'envoie Valdinga à l'autre bout de la map. Et là, derrière, bon, c'est un peu complexe, du coup, pour les Derix. Et le Horn va pas forcément changer grand chose. T'es obligé de partir sur Horn avec Kalista parce que sinon Kalista fait vraiment pas assez de dégâts. Mais en fait le problème, les gens se disent ouais mais Horn ça permet de compenser le fait que Kalista soit pas bien en late game parce qu'on lui donne des items améliorés, du coup elle est bien en late game. Le problème c'est que Shilbo c'est potentiellement l'un des pires items améliorés par Horn. C'est dommage du coup.
C'est vraiment un item horrible à améliorer pour Aran, donc c'est vraiment dommage. Parce que sinon, la stratégie, elle se tient. Hein. Mais... vas-y, je peux avoir la... Je peux avoir les items de Horn juste pour regarder, juste pour marrer quand même. Qu'est-ce que tu gagnes avec un item de Horn? Donc le sanctificateur. Ok. Donc tu gagnes 15 d'AD. 10% de vitesse d'attaque. Et 1% de vol de vie. Ouais. C'est pas fouillou, hein. Avec le sanctificateur, tu gagnes même pas autant d'AD que... Tu gagnes autant d'AD qu'un tueur de Kraken normal. C'est ça. Et t'as légèrement plus de vitesse d'attaque qu'un tueur de Kraken normal. Mais bon. C'est pas fou, quoi. Et le 1% de vol de vie, je... Lol. On va dire lol. Donc, ouais. C'est pas du tout un item intéressant à augmenter. Donc, c'est plutôt pas fou, en réalité. En réalité, là, si on part en mode vacuum, dans un vide, en réalité, dans les drafts, théoriquement, le Horn est meilleur que le Gragas dans un vide. Théoriquement... Bon, le Graze est meilleur. Théoriquement, le Azir est meilleur. Théoriquement, Varus est meilleur. Et théoriquement, ça se vaut, en termes de support. Donc même en termes de counterpick, c'est pas des giga counterpicks là les DRX sur cette game. Et derrière, si on parle des lanes, les lanes de la top lane va se neutraliser. La mid lane, ça va push en faveur des T1. Et la bot lane va push en faveur des T1. Donc il n'y a pas grand chose à faire pour Pioshik en fait, même sur les lanes. Il va pas avoir la mid lane ni la bot lane, donc il va perdre tous les objectifs. Il va juste se faire lentement outscale en fait. Et à partir du moment où tu tombes derrière dans la game avec Derix, bah tu peux pas remonter parce que t'as que des mêlées. T'as que des mêlées plus Kalista Renata, c'est-à-dire une bot lane qui dès qu'elle tombe derrière fait plus de dégâts. Donc vraiment je pense que c'était pas loin d'être la pire draft du tournoi. Hein. La pire draft de la game. La pire draft de... Comment ça s'appelle ça? La pire draft du... Parce que c'est quoi? La pire draft du match? La pire draft du BO, c'est ça. C'est pas loin d'être la pire draft du BO. Mais ne vous inquiétez pas, parce que après cette lose évidente de Derix, du coup, il y a pour le coup là vraiment perdu la draft, pour le coup, je vois pas vraiment grand chose d'autre à dire en réalité. Y a... Enfin, on peut essayer de regarder les faits de jeu et tout, et les problèmes qu'ont les Derix pour. Pour effectuer des sécurisations d'objectifs avec en combinant le smite et l'extirpation, mais le fait est que même avec ça, pour moi la draft elle est déjà dégueulasse pour le côté des DRX par rapport à T1, donc pas extrêmement fan de toute façon. Bref. Et du coup derrière on se dit, ok, les gars, on est T1, on a gagné en blue side, parce qu'on a pick Varus en premier, et que les mecs ont fait un counterpick trop nul avec Kalista. Devinez, franchement devinez ce qu'on va faire là. Ils vont choisir le blue side, vous inquiétez pas, on a notre bot secrète. On a notre bot secrète, ils vont jamais s'y attendre. Ils ont décidé de repick Kalista. Ils ont décidé de... Parce que là, ce qui se passe, c'est que là, vraiment, on a eu... Donc... Le ban de Lucian parce que c'est DRX. Le ban de H. Pour le coup, qui a aucun sens parce que c'est DRX. Il les a. Bon, certainement qu'il voulait pas. Il voulait pick Varus, du coup, déjà. Le ban de Ryze parce que c'est Faker, on va dire. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais là aussi, quand il ban Ryze, c'est Faker, du coup. Désolé, j'ai oublié. Bref. Le ban de Caitlyn parce que c'est Red Sail. Le ban de Yumi parce que c'est Red Sail. Le ban de Merlinger parce que c'est DRX. Ok. C'est bien. B1 Varus! C'est la quatrième game d'affilée, hein, d'ailleurs. Voilà, c'est juste pour dire. Voilà. Counterpick Kalista. Moi, j'ai une légère idée de ce qui va se passer. J'arrive pas à comprendre comment, en finale des Worlds, on peut avoir ce genre d'erreur. C'est-à-dire que tu t'es en game 4 du BO le plus important de l'année, et... Tu décides de pick le champion exact qui a fait perdre l'équipe adverse quand ils ont commencé quand t'as commencé la draft exactement de la même manière que eux ils commencent la draft maintenant dans la game d'avant. C'est fou.
C'est fou. Et d'ailleurs, en plus, ça part sur Seth Joanie. Alors, bon, j'ai pas forcément j'ai pas foncièrement de problème avec Seth Joanie en général. Surtout que c'est un bon blind pick en général, parce que, encore une fois, potentiel de flex. Et que, bon, là, le B1, c'est Varus, donc voilà. Mais là, du coup, c'est un blind pick plutôt intéressant, parce que tu peux l'utiliser dans pas mal de situations, parce qu'elle peut aller en top et en jungle, et même potentiellement support. Mais là, on sait que c'est pas support en réalité, parce que personne l'a vu jouer Kiria. Personne n'a vu Kiria jouer Seth Joanie support, mais bref. Donc, c'est pas si dégueulasse que ça en réalité. Mais le problème, c'est qu'on a déjà Kalista, quoi, putain. Et derrière, vu qu'il pique Sejuani, derrière, la Renata, elle part du côté de DRX. Ce qui fait qu'on a, deux picks qui peuvent réceptionner Nengage, qui sont vachement forts, qui font tout comme Kalista, mais en moins bien. Enfin, mieux, je veux dire, au contraire. Et derrière, les T1, ils décident de partir sur Soraka. Alors, Soraka, pour le coup, j'aime beaucoup Soraka, pour le coup. Je pense que Soraka est meilleur que Renata. Le problème qu'on a avec Soraka, c'est que, bon... Soraka, c'est un peu Mère Teresa, c'est un peu genre. C'est Better Call Saul. C'est-à-dire que vraiment, t'arrives, t'as un meurtre sur 4 personnes, dont 2 enfants, avec des extraits vidéo, des empreintes sur les lieux du crime. T'as du sang, t'as ton sang qui a un peu coulé sur le corps également. Et t'as une preuve vidéo qui dit que t'as vraiment envie de les buter, quoi. Soraka, elle arrive, elle appuie sur R et t'es acquitté. Donc, c'est très très fort comme pick en général, donc ça me pose pas de problème. Le problème, c'est qu'elle est pique avec Alice. Et là, en vrai, les gars, vous forcez un peu quand même. C'est. Soraka, elle est très très forte, mais par contre, il lui faut quand même des mates à côté. Et le problème, c'est que Seth Joanie va pas compenser les dégâts de Kalista, quoi, malheureusement. Et derrière, ça pique Azir encore une fois, du côté de Derix. Ah, c'est pas T1 justement, c'est Derix qui part sur Azir. C'est le combienième Azir en blue side? C'est le troisième Azir en blue side sur 4 games. Et le deuxième? Ok, pour le coup, la deuxième game, il a littéralement pas été pique pour le coup, mais ouais. Donc ouais, encore un pic défensif du coup. Ouais, bah si t'es Kalista, là t'es vraiment super content. Là si t'es Gouma Yussi, c'est ça? Gumayusi, ta vie c'est rentrer dans un Varus attack speed et une Renata et un Azir. Franchement, ta vie elle est incroyable. Je sais pas comment tu vas auto-attaque le Azir de ta vie. De toute la game. Genre, bonne chance à toi en réalité. Plutôt bonne chance. Derrière, on a des bans. Donc, la Kindred parce que c'est Piosik. Le Victor parce qu'il considère que Victor c'est un counter-pick contre Azir. Peut se justifier, on va dire que c'est plutôt even, on va dire, même si je considère que Azir a quand même un peu l'avantage, je pense quand même. Le Yone, parce qu'ils veulent piquer Aatrox, du coup. Et du coup, vu que T1 a piqué à ban Victor, enfin à ban Diego, je veux dire, avant que le deuxième ban d'Eric, ils ont pu juste ban Yone, et derrière, ils ont le Aatrox free, quoi. Les T1 ont décidé de partir sur Akali. J'ai vraiment pas compris ce pick Akali. En fait, ce que je comprends pas déjà, c'est 1. Pourquoi tu bannes Viego alors que Graves est open? Alors que tu sais que Graves est meilleur que Viego. Parce que tu le considères comme meilleur que Viego dans toutes les games. Je suis pas sûr que Graves soit la raison pour laquelle t'as perdu la game d'avant. D'ailleurs, tu l'as gagné en plus. En plus, tu l'as gagné. La seule fois où vous avez perdu avec Graves, c'est parce qu'il a été misé comme un... Voilà, qu'il a été mal utilisé, quoi, on va dire. Bref. Donc Graves est pas... Enfin, tu décides de pas pick Graves. Alors que t'as banni le Viego à la limite. Graves est open et tu décides de ban Viego quand même alors que t'as Graves qui est open et que de toute façon si tu pick Graves et que le mec pick Viego tu gagnes. Derrière, les Derinx, ils te montrent qu'ils bannissent le Yone. Donc, ils te disent on bannit le counter pick d'Aatrox. Et toi, en tant que T1, tu te dis pas je vais piquer Aatrox. Ou alors je vais piquer Camille, du coup. Pour pas qu'il pique Aatrox. Non, tu décides de piquer Akali. Et en plus, tu piques Akali dans un match-up perdant. C'est-à-dire que. Jamais la Akali va tuer Azir. Comment ça se passe? C'est impossible. Surtout que, bon, là, le problème aussi qu'ils avaient, T1, et là, pour le coup, je vais pouvoir le dire, c'est que. Pour le coup, le pire joueur de la pelouse, sur la pelouse on va dire, le pire joueur du BO, c'est vraiment bizarre. Et j'avoue que je m'attendais pas à dire ça dans la finale des Worlds. Je m'attendais pas à dire ça ever en fait. Mais le pire joueur des 5, enfin des 10 joueurs qui étaient là dans le match, c'était Faker.
Et le problème du coup, c'est que tu piques, tu as le counter pick en mid lane et que tu décides de pick Akali, qui est donc un giga skin matchup 30-70 pour Azir. Et bah tu fais pas payer le counter pick quoi. Tu peux pas faire payer le counter pick, malheureusement. Derrière c'est très complexe du coup. Parce que tu te retrouves avec un pick qui est obligé de go in, donc il sert à rien. Dans une composition qui est full défensive. Et du coup, derrière, en counter pick, Aatrox, Maokai. Comment t'avances? T'engages sur un mec, tu mets ton ulti, tu mets ta smoke. Il y a un ulti Maokai. Il y a Aatrox qui swing dans ta smoke bomb. Il y a une partition impériale d'Azir. Il y a un ulti de Renata. Il y a un ulti Varus. Alors franchement, mon bro, bonne chance pour utiliser ta Akali dans ce teamfight là. C'est littéralement, tu dois vraiment être la plus grosse imitation de Keanu Reeves x John Wick. De Neo x John Wick. Donc vraiment, tu dois être Keanu Reeves sur le champ de bataille là actuellement. Et ouais, on n'est pas sur. On est moins proche de John Wick que de Johnny Silverhand, quoi. En termes de fin. On est plus sur. La victoire, elle est dans la tête, quoi. Donc. Elle n'est pas forcément sur le champ de bataille. Parce que là, vraiment, tu peux vraiment, littéralement pas t'exprimer dans un teamfight. Et derrière, on a le pic de Fiora. Alors. Je considère que le pic de Fiora n'est pas une si mauvaise idée comme ça. Vu comme ça, en réalité. En réalité, je pense que c'est la meilleure chose qu'ils puissent tenter. Parce que là, dans un le problème de T1, là, dans la draft, à partir du moment où t'es au R5, c'est que t'es dans un état où la draft, elle est horrible à utiliser. T'as une Soraka qui peut pas aider une Akali parce que l'Akali est tellement squishy qu'elle pourra pas bénéficier du heal de Soraka pendant trop longtemps. L'Akali, ça fait pas assez de dégâts, donc que tu la heal ou pas, il se passe rien. La Sage Johnny fait pas assez de dégâts, donc que tu la heal ou pas, il se passe rien. T'as peut-être une frontline pendant 2 secondes de plus. Derrière, tu te dis quoi? Bon. La mid lane elle push pour Derrix, la bot lane elle push pour Derrix, encore, bizarre. C'est pas comme si on l'avait déjà vu dans la game d'avant. Il reste que la top lane, qu'est-ce que tu fais? Bah honnêtement, quand t'as la place de T1, je comprends totalement de pick Fiora. T'es en mode, ok, on pick Fiora et notre seule putain de condition de victoire, c'est que Fiora elle soit en 10-0 à 20 minutes de jeu. Pas 10-0, qu'elle soit en 4-0 à 20 minutes de jeu. Et qu'elle détruise littéralement toute la game. Genre qu'elle prenne des inhibs à elle toute seule, les gens soient obligés de balancer genre 5 mecs contre elle et tout. Parce que pour le coup, c'est vrai, la capacité de Derrix, pour le coup, c'est que le problème dans le draft, c'est qu'ils peuvent pas forcément. À partir du moment où la Fiora gagne le side, personne peut la tuer. Genre, Maokai se fait bouffer, Renata, j'ai pas envie d'y penser, Azir se fait bouffer, et Varus se fait bouffer. Donc vraiment, Fiora, sa vie, elle est incroyable. Mais il faut qu'elle passe devant. Donc c'est littéralement la seule condition de victoire de T1. Alors, je considère qu'on est sur une mauvaise draft à partir du moment où on a des conditions de victoire qui sont si faibles. Et surtout, le problème qu'on a, c'est que bah forcément, à partir du moment où Zeus commence à perdre son match-up et à se faire solo kill, ben la game, elle est foutue, quoi. Et en vrai, j'en veux même pas particulièrement à Zeus, parce que quand tu mets dans ton joueur dans une position où tu lui dis « Bon, notre seule manière de gagner, c'est que tu exploses ta game, c'est que tu smurfs, et l'adversaire sait pertinemment que la seule manière qu'on a de gagner, c'est que tu smurfs. » Faut pas s'étonner que des fois, au bout d'un moment, la pression elle écrase le mec, quoi. Et c'est pas forcément un problème de Zeus ou pas. Même si c'est vrai que là, il a bien donné des arguments sur la théorie comme quoi le problème c'était pas. Finalement, depuis le début, c'était pas les Fiora européennes, c'était les Fiora tout court. Mais. J'ai pas forcément que. C'est l'Aatrox de Kingen aussi. Hein. Au bout d'un moment, il s'est ressaisi le bougre par rapport à la game 1, donc. Mais ouais. Et d'ailleurs, est-ce que ce serait pas la première victoire d'Aatrox dans le BO, hein? C'est la première victoire d'Aatrox dans le BO, les gars. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau, mesdames et messieurs. Bref. On a une composition qui go in, du coup, forcément. Obligé de go in. Avec Alista. Et avec Ali. Et avec Akali, du coup. Dans une composition qui est full défensive. Aatrox qui peut jouer en défense, à part dans la condition où il est contre une équipe qui fonce sur lui. Parce que du coup, c'est plus facile pour lui de retoucher ses sweet spots. Donc Aatrox, c'est un champion qui gagne quand il fonce sur l'adversaire. Mais qui, si l'adversaire fonce aussi sur lui, il gagne également à ce que les gens font sur lui. Parce que c'est plus facile de poser lui ses dégâts. Et s'il peut poser ses dégâts, il gagne par rapport à l'adversaire. Parce qu'il a trop de vol de vie. Donc la seule manière de counter Aatrox, c'est de partir sur une composition vraiment défensive. Dans laquelle il peut vraiment rien faire quand il essaie de go in.
où ils ne sont pas en situation de réception d'engage ou en situation d'engage justement. Et Maokai il fait un peu les deux, mais du coup là, là il est chill un peu. Là il chill, il a juste à appuyer sur R et son job il est terminé. Donc ouais. Vous voyez un peu le pattern. C'est que le truc c'est que là on a une draft, on a encore une fois la draft la plus défensive qui gagne à chaque fois. Hein. Ça c'est vraiment un duel de Corée. Hein. C'est-à-dire que là la draft la plus défensive gagne. La draft ici, bon là les deux étaient un peu un shit show pour le coup. Et là la draft la plus défensive a gagné. Pourquoi est-ce que c'est le cas et pourquoi c'est un pattern qui se répète? C'est parce que le poke a disparu la méta apparemment. Alors je sais pas si c'est vraiment les champions poke qui sont vraiment trop nuls. Je pense que ça doit être le cas. Je pense par exemple que Jace aurait pu être un magnifique atout pour Zeus dans ses championnats du monde et qu'il aurait pu le jouer. Là par exemple, si tu peux jouer un Jace dans une compo comme ça contre DRX, que tu peux outrange le Azir et lui mettre des gigaboulettes, que tu peux outrange le Varus et lui mettre des gigaboulettes, que tu peux outrange Renata pareil. Là ta vie elle est un peu plus facile tout de suite. Et c'est un champion qui peut quand même servir même s'il est mis en 0-3-0-4, donc ça pose pas trop de problèmes. Donc ouais. Ensuite on va en parler d'un peu dans la prochaine game aussi, mais il est où GP? Genre il est où? Il est passé où GP dans les championnats du monde? Parce que Zeus il a 100% de win rate sur GP dans ses Worlds. Pourquoi est-ce qu'il le sort pas en finale? Pourquoi il fait 0 game de GP dans la finale? C'est bizarre un peu, non? Surtout que, pour le coup, GP, c'est le genre de personnage qui serait un gigantesque counter de Varus. Varus, il peut pas jouer contre GP. Varus, la seule manière qu'il a d'empêcher les adversaires de le tuer, c'est son ulti. GP, il a une cleanse, il a des barils, il one-shot Varus, et il a un ulti qui fait que Varus peut pas jouer. Parce que c'est un pick statique, et que un pick statique dans un ulti GP, c'est un pick mort. Pareil pour Renata. Donc au bout d'un moment, désolé, c'est un pic incroyable. Un pic incroyable et on a vu que même s'il se fait mettre, il se fait rouler dans la boue très tôt dans la partie, même par des trucs genre Renekton ou autre chose qu'on a vu dans le BO contre JD Gaming, on a vu que GP il s'en fout parce que c'est GP en fait. Il a le scaling, à partir du moment où il arrive suffisamment de loin dans la partie, ce qui arrive quasiment tout le temps parce qu'il n'y a aucune game qui s'est terminée en moins de 20 minutes, enfin moins de 30 minutes. Au bout d'un moment, voilà quoi. D'ailleurs on peut même regarder si vous voulez pour le coup parce que... On va aller plutôt regarder sur cette fenêtre là. Ok. Alors. Si Gold. Ok. Donc là, la game 1, 31 minutes. La game 2, 46. La game 3, 32. Et là, la game 4, c'est la seule game qui a duré moins de 30 minutes. Parce que, bah, regardez. T'as une botlane Kalista Soraka qui se fait exploser parce que c'est une botlane Kalista Soraka. T'as Faker qui tente, quoi, le pauvre. Mais il a le pire match-up de la planète, dans la pire draft de la planète contre lui, donc il peut rien faire. Et même la topside, il finit par perdre. Donc au bout d'un moment, quand, voilà, ça, à 16 minutes, il y a 5 kagols d'avance. Ouais, si à 16 minutes, il y a 5 kagols d'avance, vous doutez bien que tu peux pas trop revenir sur ça. Donc ouais, quitte à perdre à 28 minutes, autant essayer d'avoir un GP et de tenir, quoi. Plutôt que d'avoir un personnage qui est obligé de... est obligé de passer devant quoi et que du coup dès qu'ils perdent parce que c'est ça le problème de la composition des T1 c'est qu'ils peuvent potentiellement jouer la game si genre la Kalista elle a 14 kills si la Akali elle réussit à solo kill le Azir si la Fiora elle détruit son 1v1 mais dès qu'ils passent derrière dès que chacun de ces trois personnages passe derrière ils sont inutiles et c'est pas Soraka ou c'est Johnny qui vont empêcher la game de se transformer en shitshow. Et enfin, on va passer à la dernière draft. Et là, il y a eu des bouleversements. Parce que là, des deux côtés, on a fait OK. Il y a eu un gros remue-ménage. Et là, pour le coup, il y a eu des pics. Il y a eu des coups de poker. Et il y a eu pas mal de coups de poker et plus du coup de poker du côté red side. Et bizarrement, c'est quand les red side tentent des pics que ça fonctionne. Bizarre. Bizarre. Mais bref. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà, on a... un ban de Azir, enfin un ban d'Azir, de Akali parce que c'est Zeka. Ban de Heimerdinger parce que c'est Beryl. Ban de Renata parce que... What? Je vois pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils bannent Renata, mais ok. Ils l'ont banni en game 2. Non, c'est Terix qui l'ont banni, je sais pas. C'est parce qu'elle vient de ban... Ouais, c'est ça, elle vient de gagner, c'est ça.
Elle a combien de mouvements de win rate? Là, c'est 50%. Ok, elle a 66% de win rate, c'est ça? Elle a 66% de win rate, elle a pas été piquée en game 2. C'est ça. Elle a 66% de win rate. Est-ce que ça vaut un ban? Je sais pas. Le ban de Yumi, le ban de Lucian parce que c'est DRX, et... Ah! Le ban de Lux. Et là, c'est parti. Alors, les gens ont considéré que c'était un mind game de fou, parce que Caitlyn a toujours été pick avec Lux dans ses Worlds, et que, prétendument, et que, du coup, bannir Lux, pour eux, c'était comme si tu bannissais Caitlyn, et peut-être que les T1, du coup, avaient pas envie de partir sur Caitlyn parce qu'il n'y avait pas Lux avec. Déjà, j'aimerais juste regarder si c'était effectivement vrai, pour le coup. Est-ce que Caitlyn a vraiment forcément été pick avec Lux? Alors, ça va être trop chiant à regarder, forcément. Donc, effectivement, voilà, Deft, a... oui, Deft, là, dans la dernière game, il a gagné, forcément. Là, ok, pick avec Caitlyn. Là, pick avec... Enfin, pick avec Lux, puis la pick avec Lux. Là, pick avec Lux. Ok. Fuck. Là, pick avec Lux. Oui, ça a l'air d'être pick tout le temps avec Lux, en effet. Oui, en effet. Ah non, du coup. Non, du coup, non, ça a été pick avec Brom, en fait. Et ça a été pick par les DRX avec Brom, donc... c'est juste... C'est justement les DRX qui ont été les seuls de toute la compétition à jouer Caitlyn avec autre chose que Lux. Bon, ok, sans compter le play-in. Donc ouais, bon, même sur ça, c'était une erreur de scouting, pour le coup. Après, oui, c'est la game contre Top Esport au début. Est-ce qu'ils ont gagné seulement? DRX contre Top Esport. Oui, ils ont gagné. Ils ont gagné, ok. En plus, ils ont gagné. Mais ouais. Mais du coup, effectivement, les T1 ne s'attendaient pas à ce que Caitlyn soit pick. Parce qu'ils se disaient, oh non, mais le pick de Lux. Le pick de Lux. Enfin, le ban de Lux, c'est pour ban Lux et Caitlyn en même temps. Parce que Caitlyn n'a jamais été pick sans Lux. Moi, je considère que c'est quand même une loose. Parce que si tu veux ban Caitlyn, tu ban Caitlyn. Pourquoi tu bannerais Lux à la dernière game? Ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que tu voudrais ban Lux spécifiquement? C'est pas comme si Lux avait été genre... ça avait été un pick game breaker, parce que la seule fois où elle a été pick, c'était en game 2, et elle a perdu. Donc, ouais, c'est ça. Est-ce que ça vous fait un flash blanc ou pas, vous? Ah, ça vous fait un flash blanc aussi, désolé. Putain, désolé d'avance, du coup, pour toutes les... Ouais, bon, désolé. Je peux pas forcément gérer ça, malheureusement, mais bref. Ok. Je vais essayer de pas trop le tab du coup entre les différents pick ban GG. Mais ouais. Donc. Putain. On en était où? Oui. Du coup, ils s'attendent pas à avoir un ban Caitlyn. Même si pour moi c'est sus déjà. Et derrière, on a T1 qui se chie dessus. Non, moi il se chie pas dessus, mais. C'est vrai que. En fait, t'es dans une situation en game 5 où il y a ni Aatrox, ni Caitlyn, ni Graves. Ni quoi, y'a quoi d'autre qui est pas ban? Ni Ryze, ni Sejuani, c'est ça? Ni Sejuani, ni Ashe. Y'a tellement de picks qui étaient bannis avant et qui ne sont pas. Et tu décides de partir sur Karma. Pour moi, c'est un aveu de faiblesse. Ça veut dire que. Là, pour le coup, en fait, c'est compréhensible parce que t'as... Bon, j'ai vu le BO et je vois les dynamiques. C'est-à-dire que ils peuvent pas partir sur Aatrox parce qu'ils ont pas de... parce qu'en fait, la dernière fois où ils ont piqué Aatrox, il y a juste eu Camille derrière et ils ont perdu. Ils peuvent pas partir sur Camille parce que certainement qu'ils ont bossé Camille que... Enfin, Caitlyn. Ils peuvent pas partir sur Caitlyn parce qu'ils ont bossé Caitlyn que avec Lux et que sans Lux, ils estiment que le champion est peut-être pas viable. Ils peuvent pas partir sur Ryze certainement parce qu'ils estiment qu'il y a des counter pick à Ryze, donc le champion est très compliqué à sortir, notamment Azir justement qui a pas encore été pick. Mais par contre il y a Azir qui est pickable pour le coup, ils peuvent partir sur Azir en B1, et je sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils partent pas sur Azir en B1, sachant qu'il a 100% de win rate dans le BO, non? Là il a gagné. Là il a pas été pick. Là il a gagné. Là il a gagné. Azir a 100% de win rate. Pourquoi ils partent pas sur Azir dès le début? Surtout qu'en plus c'est un pick qui affectionne particulièrement Faker en plus. Donc alors c'est pas lui qui a le skin. C'est ça, c'est pas lui qui a le skin d'Azir. Mais
Mais ouais, normalement, il devrait. Il pique déjà deux fois dans le. C'est ça, il la pique une première fois dans la game 1 et une deuxième fois dans la game 2-3, du coup. Donc, il le connaît, Azir, quoi. C'est bizarre qu'il le pique pas en premier et qu'il décide de partir sur Kamar derrière. Pour moi, c'est un aveu de faiblesse. Ça montre que dans les drafts, ils sont piégés parce qu'il y a eu des picks qui sont forts dans la méta. Ils voulaient utiliser, mais comme les DRX ont trouvé les solutions dans les drafts, spécifiquement Caitlyn et Aatrox, du coup, ils ont pas envie de les sélectionner en premier. Ils ont pas envie de les B1, ils décident de partir sur un B1 Karma. Alors, dans un vide, hein, pour le coup, moi je suis plutôt d'accord avec le B1 Karma, parce qu'en vrai, Karma c'est un flex potentiel hein, qui peut aller sur les solo lane, même si ça marche pas plus trop maintenant, mais qui peut aussi rentrer avec pas mal de gens en général, pas mal de champions dans les games, parce que c'est un champion qui est assez versatile. Mais c'est vrai que du coup, on n'a pas la capacité du Blue Side de récupérer très rapidement des champions très très forts et la force qui a été utilisée par les équipes pendant littéralement toute la compétition. Je ne parle pas seulement de ce BO là. Et c'est la raison pour laquelle les gens disent que le Blue Side est supérieur en général, même si je suis pas d'accord. C'est que dans les méta où tu as énormément de champions broken, tu peux sélectionner pas mal de champions giga broken dès le début. Et les lanes finissent par être positives, quoi. Mais là, du coup, on a ce B1 Karma qui sécurise pas grand-chose. Alors certes, il donne pas trop d'informations sur la draft des T1 parce que c'est un enchanteur. Mais ouais, ça reste clairement pas le pick idéal, on va dire. Derrière, on a Azir qui, lui, pour le coup, est full défense et la fameuse Caitlyn. Et là, c'est la surprise. Parce que là, du coup, les T1 ne s'attendaient pas à ce que Caitlyn soit pick en R2, certainement, parce que sinon, il l'aurait pick en B1 direct. Et tu te retrouves avec une Caitlyn en face de toi. Alors, je considère que Caitlyn n'est pas forcément particulièrement un champion qui était genre impossible à gagner en battant en réalité. Même si elle est très très forte en réalité dans la game en général et dans la phase de lane et même qu'elle a un bon scaling. Généralement, un champion qui a une bonne phase de lane et un bon scaling, ça sent l'arnaque. J'ai voulu faire un flair, mais je me suis rendu compte que j'avais le nez un peu pris, donc ça, c'est probablement un peu dégueulasse. Mais écoutez, on a une heure en fin de vidéo. On s'en fout au bout d'un moment. Bref. Du coup, on a cette Caitlyn qui est sélectionnée avec Azir. Pour le coup, un counter pick qui est plutôt intéressant. C'est toujours une draft défensive. On a vu que les drafts défensives elles gagnaient la plupart du temps. La question c'est, est-ce que T1 peut partir sur du poke? Alors, il part sur Viktor, qui peut théoriquement un peu poke Azir et qui a un peu l'avantage de la reine contre Caitlyn. Un peu. Sur son laser, spécifiquement. Donc à la limite, ça va. Même si en vrai, je pense que là, peut-être que dans ce setup de là, peut-être que Orianna aurait été meilleur pour le coup. Peut-être qu'Orianna aurait été légèrement meilleur pour le coup, mais ça c'est peut-être mon avis. En vrai, j'aurais peut-être préféré Orianna dans ce teamfight là. Enfin, dans cette draft là. Parce que c'est quand même vachement plus facile de tag des gens avec une shockwave que de les tag avec un ulti Victor. Tu vas jamais toucher Caitlyn avec un ulti Victor. Par contre, bah, tu peux essayer de toucher un laser, mais voilà, c'est complexe quoi. Par contre, Orianna, elle peut un peu plus danser quoi autour des champions. Et c'est un peu plus facile derrière de contrôler, de one tap des gens si tu réussis une bonne shockwave et qui one shot, qui termine la game quoi. Bref, à la limite, c'est un peu, on va dire que c'est neutre un peu le pick Victor pour le coup. Et derrière, on a le Varus. Alors le Varus, pour le coup, il est joué létalité. Qui je trouve est une bonne chose parce que du coup ça, il outrange les deux champions en phase. Donc pour le coup, même si on a eu ce pick de Caitlyn qui a été gardé pour la dernière game avec Derrick, je pense que Varus létalité permet quand même de garder l'ascendant sur les matchups en réalité. Donc j'aurais tendance à pas être convaincu du fait que la Caitlyn a fait une grosse différence dans le fight. Derrière on a le Aatrox qui a été sélectionné du coup du côté des Derrick. Et le problème c'est que du coup vu qu'on a pris le Victor maintenant, alors qu'il y a 14 000 picks dans mid lane qui pourraient marcher. Et qui pourraient marcher mieux que Victor. Notamment, pour le coup, je vais en donner quelques-uns. Mais par exemple, le Corki, il peut être sortable totalement là dans cette game-là. Il peut être sortable totalement et c'est un enfer derrière. T'as Varus Corki contre toi dans la game, ta vie elle est dégueulasse. Hein. Quand t'es Caitlyn Azir, tu peux pas les toucher et eux ils te mitraillent. Genre, tu peux pas approcher les objectifs quoi. T'es obligé de tenter des engages sur le truc et de pivoter ta draft, mais du coup derrière les champions qui engagent ils sont tout seuls. Donc c'est vachement plus facile à gérer pour l'équipe en face. Donc ouais.
Qu'est-ce qu'on a d'autre en mid lane qui peut être meilleur? Bah en fait tous les champions poke en général en fait. Bien Vel'Koz, Xerath, ce genre de champion de poke est totalement viable en réalité. Hein. Même des trucs genre Syndra, même si Syndra est plutôt dégueulasse en vrai. Non, la Syndra est plutôt dégueulasse en vrai. Est-ce que Sway n'est pas sortable en réalité là dans cette game? Non. C'est trop compliqué pour lui de se positionner, de jouer dans les teamfights. Ouais, mais sinon, ouais, c'est un petit champion de poke en réalité. Même des trucs comme Ziggs en réalité. Hein. Des trucs comme Ziggs peut être sortable en réalité. Ouais. En fait, handshake, le contrôle match sur la mid lane, je pense que c'est un aveu d'échec aussi. Je pense que si tu veux handshake un contrôle match dans la mid lane, t'es pas obligé de le pick dès la première rotation de ban, sachant qu'il y a 14 000 contrôle match dans le jeu. Genre, si tu veux vraiment faire que des contrôle match, t'as le Viktor, t'as l'Orianna, t'as même des trucs genre le Malzahar, genre tu peux faire des trucs. T'as le Ryze, même s'il se fait un peu plus outrange que le Viktor, ça c'est vrai. T'as justement la Syndra dont on parlait, ce qui est pas foncièrement plus dégueulasse quoi. Si vraiment tu cherches un contrôle mage, même si elle reste un peu moins bonne, on va dire, parce que j'ai. En vrai, même une Zoé en vrai. En vrai, en V2V, peut-être même une Zoé en vrai. Même un Veigar, hein. Un Veigar fonctionne hein, dans la draft. Hein. Un Veigar fonctionne totalement dans la draft. Pourquoi on n'a pas vu Veigar des Worlds par contre? What the fuck? Pourquoi on n'a pas vu Veigar des Worlds? J'ai aucune foutue idée. Bref. On a une Séraphine, totalement, c'est vrai. Où est passée Séraphine, wesh? Séraphine, elle détruit la composition des ranks dans son intégralité. À part Bard. Mais on verra plus tard pour Bard. Mais bref. Pour moi, le problème que t'as dans la première draft, dans la première rotation de T1, c'est que tu as ce pick de Viktor qui t'empêche de counter-pick le Aatrox derrière. C'est un peu chiant. Soit tu piques le Aatrox, soit tu piques en prévention Lyonnais, je sais pas, tu fais un truc. Lyonnais, pour le coup, a pas un truc si dégueulasse contre Azir et Caitlyn, du coup. Mais ouais... j'aime pas le pick de Viktor parce que du coup derrière c'est pick de Aatrox du côté d'Eryx, derrière on arrive sur la deuxième phase de ban, il ban le Lyonnais et là c'est... Et là les T1 n'ont plus de counter pick en top lane. Donc là c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour eux de réussir à trouver des trucs. On en est là. Tac. Derrière ça pique, ça ban la Sejuani. Le problème c'est qu'encore une fois si tu ban la Sejuani en deuxième rotation, t'as 40 000 junglers qui font la même chose que Sejuani. C'est complexe. Le Maokai était open par exemple. C'est à peu près la même chose. La Kindred de Kingen. Et le ban de Lee Sin de Honor. Ok. Et derrière on a le pick de Bard. Alors là, franchement, à partir du moment où je vois Beryl qui sélectionne Bard dans la game, je fais ok, donnez-lui la coupe. Donnez-lui la coupe, allez, c'est bon, on a compris. C'est le mec sort Bard en game 5 de finale de LoL, je sais pas ce qu'il vous faut au bout d'un moment. C'est le moment précis là avec ce pic de Bard où pour moi Derek ça a gagné mon cœur. Derek ça a gagné mon support, il est en mode allez vas-y gagne. Parce que en fait la composition T1 est tellement, elle prend tellement pas de risques dans ce moment là dans la game, c'est vraiment, il y a tellement zéro risque. Genre c'est premier pic Karma, Viktor, Varus, on l'a vu Varus toute la putain de journée là, c'est dans toutes les games, il est là. Genre on se fait chier quoi. Là du côté d'Eryx on a Caitlyn, on a Caitlyn qui est sélectionnée même si, putain c'est raffiné. On a Caitlyn et maintenant on a ce putain de Bard là, le Jolene Caitlyn Bard, qui s'y attendait quoi. Trop bien, et en plus il est bien drafté hein. C'est ça le pire, c'est qu'il est bien drafté le Boog. Parce que contre deux carrés sadiques plus une Karma, en vrai le pic il marche hein. Il marche de fou. Et il est suffisamment pas comital pour pas forcément se prendre des trucs trop chiants avec des scènes de corruption ou des... qui est basiquement sa seule menace d'ailleurs. Ou des one-shots de Viktor, donc sa vie elle est ok en vrai. Derrière T1, il prend un B4, B5, Viego, Gwen. Alors, Gwen c'est censé être un counterpick d'Aatrox du coup, de ce que j'ai compris. Le problème du counterpick Viego, Gwen, c'est qu'on est vraiment sur des champions qui pourraient pas être plus opposés en termes de ce qu'ils veulent faire dans la game quoi. C'est-à-dire que Viego il veut go in et Gwen elle veut juste tout sauf go in quoi. Alors elle peut go in théoriquement, c'est un de ses modes, tout comme Azir il peut go in s'il veut, mais c'est clairement pas son mode principal. Son mode principal c'est vraiment de réceptionner le langage et Viego de go in. Donc c'est vraiment des picks qui traduisent le fait qu'ils ont absolument aucune idée de où est-ce qu'ils veulent aller emmener la draft. Du coup on a un Varus poke
avec un Victor qui réceptionne, une Karma qui enchante, un Viggo qui veut foncer dans le tas et une Gwen qui veut réceptionner. En face, t'as un Azir qui défend, une Caitlyn qui défend, un Aatrox qui go in mais qui peut défendre si on lui fonce dessus. Un Bard qui, pour le coup, lui, il est plus catch qu'autre chose. Et derrière, on a un Karim qui go in. Alors, comme j'ai dit, c'est pas les meilleurs drafts des deux côtés, pour le coup. Là, on n'est pas sur les meilleurs drafts des deux côtés. Mais c'est vrai que... on a un problème qui est arrivé du côté des T1, c'est que tu peux pas rentrer dans un pit, en fait. À partir du moment où les Derek sont la position dans un pit, tu peux pas rentrer. En gros, tu peux pas rentrer parce que la seule personne qui a l'avantage de la range, c'est Varus. Gwen peut pas forcément avancer en disant « Allez hop, je mets un ulti et puis hop, tout le monde se barre, allez hop, boost !» Parce que du coup, derrière, si elle se fait réengage derrière, elle a plus rien. Donc elle peut pas rentrer dans le pit. Viggo a pas la range pour rentrer dans le pit par rapport à Azir, Caitlyn. Et en plus, il y a du contrôle de terrain parce que forcément, la Caitlyn, elle a ses trappes. Xavier, elle est ok. Azir, il a ses soldats. Donc on a un contrôle de terrain qui est incroyable rien qu'avec ces deux pics-là. Et derrière, on a deux frontliners à peu près plutôt tanky en général. Et on a un bard, bon, il fait sa vie, quoi. Et personne ne peut vraiment permettre à T1 de gagner le pit. Ils peuvent pas rentrer dans un pit dans un objectif, donc ils peuvent pas contester les objectifs neutres à partir du moment où Derek a pris la position dessus. Ils ont pas une draft qui est suffisamment forte pour aller go in sur l'adversaire et pour le tuer. Parce que le Victor c'est pas son rôle principal, le Varus c'est pas du tout son rôle principal, il veut vraiment pas faire ça. Gwen c'est pas son rôle principal, et Viggo il est tout seul. Alors certes il va se prendre un petit shield de Karma, mais je suis pas sûr que ça fasse grand chose, quoi. Et même Viggo, pour le coup, si on part du concept de la... Si on prend en compte la condition de victoire de Viggo qui est d'avoir un reset pour gagner le teamfight, il peut pas avoir de reset facile sur Azir parce qu'il a sa virgule et son ulti. Il peut pas avoir de reset facile sur Caitlyn parce qu'elle a ses traps et parce qu'elle a son filet et parce qu'elle a son flash, parce qu'elle a sa gale force, parce qu'elle a trop de trucs. Il peut pas avoir de reset sur Aatrox parce que Aatrox il peut juste dash out, il peut ulti et puis il peut Q-spell et tout, et tu fonces dessus, c'est trop chiant. Il peut peut-être trouver un catch sur Bard, mais Bard il a n'importe quel moment, il utilise son Magical Journey, il se barre. Et si tu le suis, tu meurs. Parce que potentiellement il y a 4 mecs derrière qui attendent avec des fourches. Et il peut pas trouver un catch facile sur Ekarim parce qu'il peut ulti out, il a son fantôme, il a son nœud, il a son smite bleu certainement d'ailleurs aussi. Bref, c'est trop compliqué. Donc même au point de vue de la condition de victoire de Viggo, la game elle est pas fofolle pour les T1, quoi. Et enfin, du coup, pour pouvoir vraiment y aller au max. Au niveau de la lane, la mid lane, ça va se neutraliser, même si je pense que les lasers vont avoir légèrement l'avance. Au niveau de la bot lane, j'aurais tendance à dire qu'en phase de lane pure, Caitlyn va légèrement être devant, même si pour le coup, ça s'est pas tellement vérifié que ça, je crois. Je crois qu'au contraire, Deft a été plutôt bien mis derrière dans la game, mais il faudrait qu'on revoie. De toute façon, on va voir la game juste après, donc on va pouvoir expliquer. Et du côté de la top lane, bah c'est Aatrox, quoi. Vous attendiez à quoi? Alors oui, c'est vrai que... Alors, pour le coup, c'est un des rares match-up où tu dis Aatrox se fait counter thématiquement par Gwen, mais dans la lane pure, Aatrox il gagne. C'est un peu bizarre, du coup. Mais ouais. Et surtout, bah, c'est Kingen, quoi. C'est le Aatrox de Kingen, quoi. C'est un peu le pick, son confort pick, quoi. C'est le pick, c'est... Il peut être face au meilleur joueur, meilleur top laner du monde, mais s'il a un Aatrox dans sa poche, il est en mode, c'est bon, la game est even. Donc ouais, compliqué. Bref. Donc, j'aurais la draft sans hésiter vainqueur pour Derix. Parce que c'est complexe. Même si c'est vrai que c'est une draft qui a pas l'air si gagnante que ça, parce qu'il y a le Varus. Mais je pense que si la draft de T1 avait été plus du même côté que le Varus en général, en fait, c'est-à-dire plus drafté de la même manière que le Varus, avec légèrement un peu plus d'engage, c'est-à-dire par exemple, on vire le Victor et le Viggo, et on le remplace par des picks soit qui défendent sur un truc genre... justement, par exemple, là, regardez... On va faire un truc. Donc je vais prendre le Victor et je le pose sur le sol et je remplace par Séraphine. Ou par n'importe quel champion poke d'ailleurs, en réalité. Donc Xerath ou Vel'Koz. Mais on va garder Séraphine parce que ça a la capacité de disengage que Vel'Koz et Xerath n'ont pas. Je prends le Viggo et je le remplace par Poppy. Là la draft elle est tout de suite plus jouable. Parce que derrière... On a la possibilité de pouvoir prendre la position parce qu'on a des zonings incroyables avec Séraphine, avec son Q-spell, avec son E. On a du poke, on a l'avantage de la range par rapport à Caitlyn et à Azir. On a le Varus qui a vachement plus de soutien pour pouvoir faire ses engages, enfin ses Q-spell et enlever des grosses barres de points de vie aux gens.
Et le Karim et le Atrox, ils peuvent pas faire autant ce qu'ils veulent par rapport à si c'est Viego. Parce qu'il y a Poppy qui arrive et qui fait attendez, oh, tout le monde arrête. Tout le monde arrête, on se calme là. Donc, moi je pense que c'est une draft qui est tout de suite un peu plus jouable, on va dire. Et qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre là en vrai? En vrai, là, je comprends pas pourquoi les gens considèrent que Aatrox. Je sais ce qui va se passer en fait. Les gens vont considérer que Aatrox c'est un counter de Horn, c'est ça? Et dans ce cas-là, c'est un Malphite spot là. Ah oui, c'est 100% Malphite spot en fait. Oui, parce qu'en fait, il n'y a que Azir qui est pas qui est dégâts magiques. Mais derrière, regardez. Aatrox full dégâts physiques. Et Karim full dégâts physiques. Quasiment. Bon, le Z fait des dégâts magiques, mais c'est tout quoi. Caitlyn full dégâts physiques. Bard fait pas de dégâts. C'est un Malphite spot. Malphite, il meurt de quoi dans la game? Il meurt d'un Azir qui se fait instantanément ulti et one shot. Ouais. C'est plus complexe. C'est plus complexe tout de suite. Donc là, le Malphite spot, il est plutôt sympa. Hein. Là, la game elle est plus jouable, on va dire. Et même des trucs genre Gragas aussi, d'ailleurs, en vrai, en top lane. Ouais, en vrai, Gragas, là, dans la game, est vachement plus jouable que. Gragas va jamais crever par rapport à. Contre Aatrox, genre littéralement jamais. Parce qu'il a un ulti au cas où. Il a un ulti, il a trop de sustain en lane avec son passif, il a son bonus slam. Il s'en fout complètement, là, de la game. Insta lane. Et derrière. Tout son but à lui, c'est d'empêcher que les messieurs ils arrivent et ils pètent son équipe. Oh. Donc sa vie elle est incroyable. Et encore une fois, où est le GP? GP contre Caitlyn et Azir, sa vie elle est incroyable. Contre Bard. Bard il le one tap d'une force. Le Bard il peut pas jouer dans la game. Où est le GP, wesh? Il met un ulti sur les carry peuvent pas suivre là devant l'engage. Et derrière, tu mets un ulti GP et les gars sont obligés de se barrer l'objectif, quoi. C'est comme ça que tu récupères la priorité. Hein. Forcément, tu peux pas prendre Jayce parce que, bon, on a vu ce qui s'est passé quand Zeus a pris Jayce. Et en plus, bon, dans la game, dans le méta, il est pas fou, donc on va pas tenter, mais ouais. C'est compliqué, quoi. C'est vrai qu'il y a pas mal de picks qui, selon moi, auraient pu être intéressants à pick, mais qui n'ont pas voulu. Je pense même un Shugat ça peut être un spot en vrai pour lui hein, pour cette game. Même si c'est vrai qu'il se fait un peu malaxer par Aatrox en vrai. Non peut-être pas en vrai. Là j'avoue je commence un peu à stretch. Ouais. Pour moi le problème c'est que si on avait une composition T1 qui serait orientée plus vers... C'est orienté plus vers une compo poke slash défense plutôt qu'une compo poke slash ongoing. Slash on défend en fait. C'est-à-dire que si c'était une composition qui était un peu moins dans tous les sens et un peu plus... item entre guillemets, parce que là on a une grosse dichotomie entre les carry de T-Rex qui veulent défendre et les jungle le topside qui veut foncer dessus. Si tu prends une draft qui défend slash poke du coup d'ailleurs tac. Ça c'est quoi ça c'est défense. Oh, putain, dégueulasse voilà tac. Donc défense slash poke et là à la place de Viego tu prends un truc qui est plus défensif en général. Là, t'as le poke pour pouvoir potentiellement outrange les carries adverses et donc gagner l'avantage de la range et gagner le teamfight à long terme. Oh, il y a un Karthus spot encore là. Et en plus, il y a un Karthus spot. Ah ouais, il y a 100% Karthus spot. Parce qu'en fait, le Varus, il va péter la Banshee slash la crown de Varus. Donc, d'Azir, il y a 100% Karthus spot là. Ouais, il y a 100% Karthus spot, c'est dommage ça. Bref. Donc, ouais. S'il y avait moyen de partir sur une draft un peu plus hybride, un peu plus défense slash poke, là on rentre dans des concepts un peu plus compliqués, mais voilà. On a la capacité d'outrange la composition des DRX, tout en ayant les capacités défensives pour pouvoir contrer leur engage. Donc je pense que c'est comme ça que j'aurais orienté la draft du côté de T1. Pas forcément via les problèmes qu'ils vont avoir dans cette draft. Quoi. Mais ça, on va pouvoir le voir avec l'analyse de la game. On va ensuite en plus combiner avec un changement de playlist de musique, donc là c'est parfait. On va mettre en vitesse x2, muter, et là c'est parti mesdames et messieurs, on va rentrer dans la dernière game. Alors, donc comment est-ce que la game s'est clos. Comment est-ce que tout ceci s'est déroulé en réalité? Déjà on a une super invade tentée du côté de T1, pour le coup ça c'est un truc intéressant, c'est que là où ils innovent pas forcément au niveau des picks, ils innovent au niveau des...
des stratégies qu'ils ont pour essayer de mettre derrière Suikari. Mais là, vous avez vu, par exemple, là, on a Pioshi qui se doute un peu, mais ouais, voilà. Il a vu avec la Ward que les T1 étaient passés par là, dans le bot side, mais il décide quand même de faire ses loups, ce qui est un peu une prise de risque assez énorme. Et du coup, il y a Karia qui arrive et qui fait des gros. Il lui met tout de suite un gros chunk dès le niveau 1. Mais ça le met très mal. Là, on a Kumei aussi qui permet de taper un petit peu Beryl et Deft parce qu'il sait qu'il y a ses poteaux qui arrivent derrière. Mais du coup, on a Pioshi qui perd pas mal de PV dès le niveau 1 et qui en plus a un petit peu de problème pour pouvoir jouer. D'ailleurs, on a la botlane qui se fait déjà un peu zoner niveau 1 parce qu'on a la double comet en côté des T1 et double scorch en plus, d'ailleurs, si je me souviens bien. On a triple scorch d'ailleurs dans cette game. On a Faker avec scorch en mid lane, la botlane full scorch. Et par contre, on a Xeff qui a pris Gathering Storm, quoi. Ce serait dommage que la game dure plus de 40 minutes, quoi. D'ailleurs, du côté de la top lane, on a un premier push qui fait du côté de Zeus, donc ok, intéressant. Il a l'air de gagner niveau 1 et 2. Zeka qui prend pas mal de chunks pour l'instant sur sa lane contre Faker, ce qui est un peu normal en réalité. Donc Faker a plus de potions vu qu'il a parti sur potions de corruption, donc c'est un peu normal qu'il gagne un peu en termes de points de vie pour l'instant. Yoshi qui a du coup un camp, deux camps de moins, c'est ça, du coup. Parce que voilà, il est un peu plus lent que son adversaire et en plus il est. et en plus il est. Il a un camp de moins, quoi. Et là du coup en fait on a Honor qui tente un counter jungle sur la top side, même alors qu'il est du coup il vérifie qu'il est bien fait par Yoshi, ce qui fait qu'il est pas en top side. Et il voit que du coup Zeka il a plus de potions en mid lane et il s'est fait chunk parce que Faker a dépensé toutes ses potions de corruption sur la lane. Et derrière du coup il décide d'utiliser l'information qu'il a sur le fait que Pioshik est pas en topside et que donc il est certainement en train d'essayer de cycler son camp lorsqu'il lui reste de camp en bot. Et le fait que Zeka soit dans la jungle, soit très très low en HP pour avoir ce flash in derrière et derrière il récupère le Force Blood. Donc ça c'est très bien vu. Pour le coup ça c'est un truc qui arrivait pas souvent parce que la plupart du temps c'était plutôt Faker qui avait tendance à se faire solo kill dans les dernières games. Mais là, contrairement aux autres games, c'est Zeka qui se fait avoir en premier. Alors pour le coup, bon là c'est vraiment du Sin Gank. Hein. Là clairement, on n'est pas sur le truc le plus répétable de l'histoire. Hein. Mais en tout cas, pour le coup, ça c'est un truc qui a bien marché. Bon, très bien vu. Et de Honor. Il a vu l'opportunité de toucher Zeka. Et hop, ça touche, ça le tue. Bravo à lui. En plus, il flash après, malheureusement, le pauvre. Parce que l'auto-attaque, elle arrive après. C'est vraiment dommage pour lui, parce qu'en vrai de vrai, si l'auto-attaque marchait différemment et qu'il auto-attaque légèrement plus tard, il survit. Donc en vrai, pas de chance. Derrière, on a du coup le push qui est repris du côté de Zeka, certainement parce qu'il a pu TP plus tôt, parce que Faker a back un peu plus tard. Honor qui décide du coup de retenter un truc, mais là pour le coup Zeka, lui, il est passé niveau 3, donc ça y est, il a son E, donc il peut s'enfuir assez facilement d'un potentiel gank. Il a même pas eu utilisation de Q-spell, mais ça pète un peu sa barre de mana. Et du coup, là on voit déjà que la bot lane, par contre, contrairement à ce que je pensais, quand j'ai parlé de la draft, elle est vachement derrière du côté de Derix. Là on a 10 biens de retard, ils ont fait leur reset un peu tard, du coup, Honor a la double priorité, et du coup il en profite pour faire la jungle. Ça part, ouais. Il montre aussi ça dans le cast, au niveau du cast, donc parfait. Yoshi qui arrive trop tard, parce qu'encore une fois il a pris un peu de retard, là il a voulu cycler plus de camp par rapport à Honor, du coup, Honor peut récupérer le Drake, tout va bien. Donc premier Drake récupéré du côté de T1, plutôt intéressant. Je sais qu'il est en mode wow, hein, merde, hein. Oh putain, il a même pas eu le... Drake. Par contre, on a Zeus qui fait des trucs. Il tente un trade en ulti contre ulti, il gagne pas tellement. Parce que Minion, il a légèrement plus d'argent sur son back. En fait, non, il n'y a pas plus d'argent sur son back, c'est juste que... Il a... Attends, il a une potion rechargeable. Il est parti sur quoi en début? Là, on est à combien? On est à 23 minutes. Attends. Il est parti sur bouclier d'Oran. Ok, d'accord. Donc il a vendu ou il a utilisé sa potion. Et il est parti sur une potion chargeable plus une épée longue et. Ok. Pendant ce temps, Zeus, lui, il est parti sur. Tonne d'amplification, anneau d'Oran et une potion, lui, une potion chargeable. Ok. Donc ils sont littéralement even en gold. Ils ont pris leur reset en même temps. Mais Kingan, il est parti sur la résistance magique. Vu que Gwen, par rapport au nerf, fait moins de dégâts bruts qu'avant. C'est un manteau, un cap de dégâts, enfin, je sais pas, un truc de résistance magique quoi, qui résiste, qui est vachement plus utile par rapport à Gwen, enfin contre Gwen, que avant dans la période du champion, avant qu'il se fasse nerf. La cape de néant, excusez-moi, la cape de néant. Bref. Du coup, il gagne un petit peu, en plus le spike niveau 6, voilà, il n'y a pas tellement d'AP que ça au niveau de Zeus parce qu'il est parti sur bouclier de rang.
Donc c'est pas si fort que ça. Donc il a pas, voilà, il a, lui par contre il a pas de résistance. On a un tentative de gang du côté d'honneur, mais ça se passe pas. Et derrière par contre, du coup, on a Zeus qui se fait solo kill. Et là c'est très compliqué du coup. Là ça commence à se faire mal un peu. Parce que normalement j'ai dit que la top lane se neutralisait, non, je crois. Je sais plus. Parce que là le problème c'est que... Ah, ça fait mal. Là ça fait très très mal au niveau du matchup en top lane. Parce que là un Aatrox qui est fait, c'est à peu près tout ce qu'on voulait pas, hein, du côté de T1. Parce que qui va gérer ce Aatrox, sachant que personne n'allait DK pour le tuer en fait. Personne, absolument personne n'allait DK pour le tuer si c'est pas la Gwen. Peut-être le Victor s'il est suffisamment fed, mais et encore quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé au niveau des trades? Là, le premier trade, bon, on en parle, voilà, c'est, ça se répond coup pour coup. C'est pas une si grosse différence, on parle de quoi? 200 HP max. C'est pas si gros que ça. Par contre, on a ça, voilà, on a la deuxième partie. Donc la deuxième partie, c'est Zeus qui esquive le premier Q-spell en claquant direct sa zone et son dash. Alors, monsieur le meilleur top laner du monde, pourquoi est-ce que vous claquez deux spells d'un seul coup alors que vous pouvez claquer que l'un des deux? Là, vous pouvez juste claquer le E si vous voulez dash out ou dash in. Vous n'avez pas besoin de claquer votre Z dès le début. Parce que du coup, la Kingane, il a juste à se déplacer puis mettre auto-attaque Q-spell et il touche déjà. Et encore, il a loupé le deuxième Q-spell. Et là derrière, bam, bah, il a juste à dash in et c'est le troisième, ouais, c'est ça. Il a plus de dash sur le côté de Zeus, il prend le Z, il prend l'auto-attaque, deuxième auto-attaque, il est mort. Il n'y a pas de flash. Il a déjà utilisé son flash plus tôt dans la game. Je crois que c'est ça qui s'est passé. Il avait pas. C'est ça, il a utilisé son fantôme plus tôt dans l'inverse. Et un peu bizarre d'ailleurs. Mais ouais, du coup, vu qu'il utilise deux de ses cooldowns dès le début pour esquiver un seul spell alors qu'utiliser juste le Z, ça marchait. Et qu'il pouvait garder son dash pour ce moment-là précis d'ailleurs, pour le coup. Du coup. Ça vient dégueulasse. Et surtout que là, ou alors même il garde le spell, il garde potentiellement le dash pour le Z, mais je crois que le Z est trou avec le bump, je crois. Non, il est pas du tout trou avec le Z, avec le bump, mais du coup il peut l'utiliser le bump, enfin le dash pour esquiver le Z, mais ouais. Mais il reste de toute façon un flash, je crois, pour Kingen. Il a même pas utilisé son flash, donc ouais. C'est vraiment un misplay du côté de Zeus. Et derrière, la dague dentelée, quand t'as zéro armure en face, ça va faire mal. Hein. Ça fait mal au niveau des trades. Et là, on est qu'au début du malheur pour Zeus. Et là, tout le travail de T1 en early game au niveau du bot side, il est rendu un petit peu caduque par le Aatrox qui commence à devenir de plus en plus fed. On a la bot lane des DRX qui continue de prendre cher et qui a maintenant 15 sbires de retard par rapport à 10. Et en plus, qui pourra pas rester là pour le crash, donc ils vont perdre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sbires supplémentaires. Ce qui fait très très mal. Pour le coup, ça fait très très mal. Notre ami Deft, il est très très mal dans la game. Et en plus, ça obtient des plaques derrière du côté de Gumayushi et de Karia. Donc ouais, ça fait très très mal. Derrière, pour le coup, les derniers qui décident de profiter de l'avantage qu'a obtenu Kingen pour pouvoir obtenir le héros de la faille, grâce au plus sur un push de lane et au fait que Zeka peut décaler en même temps. Là, on a Pioshi qui fait un peu des trucs bizarres, mais il arrive à s'enfuir, parce que là, on a un flash-in de Faker, mais il attend pas l'ulti de Pioshi. Et donc, il peut pas le tuer. Alors, je suppose que c'est un flash aussi qui est défensif, parce que s'il se prend l'ulti des Karim et que derrière, il y a Zeka qui le ramène, potentiellement, il meurt, pour le coup. Quoique non, parce que du coup, Zeka est au... Non, Zeka peut pas le... Non. Zeka, il a utilisé tous ses cooldowns, du coup. Pioshi, il a pas de flash, donc il peut passer à travers la barrière, donc... Enfin, la barrière, à travers la partition impériale de Zeka. Donc ça veut dire qu'il peut juste flash out, en fait. Bref, je sais pas. Et du coup, derrière, on a Honor qui revient, et regardez les dégâts de Kingen. Regardez le taf de Kingen dans la mêlée. En même temps, il y a plus de cooldown du côté des T1, je sais pas ce qu'ils font. Là, le Z, le Q-spell utilisé, on a plus d'ulti. On a plus d'ulti du côté d'Honor, on a plus d'ulti du côté de Faker. Et Kingen, il est untouched pour l'instant. Il se prend quelques ultis de Zeus, mais regardez, il régène du truc. Et là, ce swing-là, il vaut de l'or. Chclac ! Il prend 178 HP sur le swing. Parce que c'est double sweet spot sur deux cibles avec sans armor, alors que lui, il a une dague dentelée, sa vie, elle est incroyable. Et là, le flash-in derrière sur Faker, qui a plus de flash, du coup, qui peut plus esquiver ça. Et il se prend comment il s'appelle ? Le passif d'Aatrox, donc l'auto-attaque améliorée, et l'auto-attaque derrière de Zeka. Il prend le kill, donc le triomphe, d'ailleurs. Attends, c'est quoi ce truc-là ? Non, c'est le triomphe de Kingen, justement. Il récupère des HP en plus derrière. La partie en période de Zeka, qui pourrait complètement ramener les champions T1 et les T1 vers eux, d'ailleurs, en vrai.
Ouais, je crois qu'il a mis sa partition impériale, Zeker. En fait, je vois pas pourquoi est-ce qu'il flash, il ferait un flash in pour les pousser vers leur base. Donc oui, je pense qu'il loupait sa partition impériale. D'ailleurs, on a Kyria, je sais pas ce qu'il fait du coup. Alors, il a failli se faire tuer, hein, parce que si le stun de Beryl passe, il perd la vie, notre ami. Surtout qu'il a pas la... Ouais, ça. En fait, Beryl pense qu'il a pas la vision, que Kyria a pas la vision sur lui parce qu'il y a une ping devant le bush, mais comme il y a une ping ici, je crois qu'il l'a vu. Et du coup, ouais, ça marche pas. En plus, il y a encore son E derrière. Il a même pas besoin d'utiliser son E pour esquiver le flash. Enfin, le flash in. Du coup, pas de mid laner du côté des T1, donc c'est le héros de la faille gratos. Et là, tout de suite, on est égalité, plus un héros de la faille contre un Drake. C'est even dans la game, alors qu'il y avait un très bon travail de T1 pour pouvoir, réaliser un avantage dans la game. Je pense qu'ils avaient pas besoin de contester ce Herald, malheureusement. En fait, sachant qu'ils perdent déjà le topside, je pense pas qu'ils doivent contester ce Herald. C'est pas comme si ils étaient particulièrement mieux dans la game, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du 1 kill partout, mais c'est Aatrox, quoi. Alors forcément, s'ils jouent mieux les Scaramouche, ils peuvent certainement prendre un kill, contester, peut-être potentiellement avoir les râles par derrière, mais ils sont pas obligés de le faire. En fait, vu qu'ils ont déjà récupéré le Drake sur le bas de la carte, plutôt dans la game, ils n'ont pas besoin de contester le deuxième objectif de l'autre bout de la carte. Ils peuvent trade et décider de moins gagner si ça permet de pas forcément... jeter la game, quoi. Le problème, c'est qu'ils décident de jeter la game à 8 minutes de jeu comme... Comme toutes les équipes chinoises d'ailleurs, en fait. Bref. Compliqué. On a Gouma qui tente le maximum possible pour essayer de faire des kills. On a Beryl qui fait des trucs bizarres pour cancel des trucs. Faker, il fait quoi là? Ouais, non, il tente des trucs, mais ça peut pas tuer. Donc, ouais. Là, on va revoir l'action. On n'en a pas forcément besoin. On va se remettre en x2. Donc, ouais. Derrière, on a des trucs, on a des RX qui reprend un petit peu la position pour le Drake qui arrive dans 30 secondes. Ils prennent les camps de jungle, ils prennent des wards. Beryl qui ne sait pas prendre trop d'HP, il arrive à faire un trade neutre contre Kyria. Derrière, on a un duel de jungler contre jungler qui se passe pas très bien. Parce que Piosik décide de partir sur une mauvaise intimidation des Karim puisqu'il part sur un Karim full tank. Je pense que pour le coup, c'était vraiment une game des Karim avec Divine, pour le coup. Si vraiment tu veux le partir plus tanky que Trinité. C'est vraiment une game divine parce que du coup là il va vraiment faire zéro dégâts en fait avec son intimidation full tank. Et dommage parce qu'il avait vraiment la capacité de pouvoir challenge Viego plus tard dans la game, alors que là quand il part sur une intimidation tanky, ça a pu être un bot à ulti, alors qu'on sait très bien que le buff de Karim a été fait principalement pour améliorer ses capacités de bruiser plus que ses capacités de tank. Bref, là je vais juste revenir, mais en gros on a le déplacement de Beryl et de Kingen, du coup, Kingen qui arrive à décaler plus vite sur la map parce qu'il a réussi à prendre la priorité par rapport à Zeus. Et du coup, il permet d'avoir la priorité mid lane. Et donc, ça leur permet de pouvoir prendre la position plus rapidement du côté du Drake, surtout que Gouma a loupé sa flèche. Et qu'il est obligé de dépush la mid lane. Et du coup, pour les T1, c'est compliqué de contester l'objectif. Ils arrivent un peu tard, je crois, c'est ça. Ils se prennent en plus un stun de Bard. Et derrière, ok, l'ulti est flashé par Kyria et ulti out par Honor. Donc, ça va, même si, bon. C'est dommage parce qu'ils ont décidé de quand même contester le Drake alors que c'était déjà trop tard, donc ils ont burn plus de cooldown qu'avant, même si bon, là du coup vu qu'il n'y a plus d'objectif neutre avant un bon papier de temps, c'est pas si problématique que ça. On a une tentative de Zeka pour essayer de tuer Faker, normalement ça va quand même parce que le... Mon dieu ce que l'ulti... Regardez le... Bon, je vais le remettre en vitesse normale. Le temps que passe Faker en ulti, regardez. Bam ouais, ça, il peut pas jouer le pauvre, et il se fait tuer du coup. Il se fait tuer. Je crois que Honor arrive à prendre le kill nonobstant. C'est ça. Il arrive à prendre le kill quand même. Il est sympa. Zeus il fait des trucs. Par contre, Zeus. Ok. Fuck. Putain, quel monde de bâtards. Regarde ça. Pourquoi ils me font ça, bordel. Je clique sur pause, il se passe rien. Bref, on était où? Oui. Donc on a le kill qui est récupéré. On a l'éclipse du côté de Kingen. Très bien. Et là, on a. Pour le coup, là, on a réussi à avoir un décalage avant Kingen de Zeus. Et donc là, on a le premier kill qui est récupéré sur Zeka de Honor. Et là, derrière Zeus, là, là, je suis en mode, bon, là, il troll un peu. Parce que là, s'il reste un peu trop longtemps, derrière, il y a Kingen qui arrive par derrière. Mais en fait, regardez, whoop. Et derrière, ouais, quand même, cette virgule est folle. Et c'est pour ça que, voilà, Honor a un Azir. On peut le dire maintenant, Honor a un Azir. Et c'est trop stylé. Ah, c'est incroyable. La capacité, c'est vraiment en tant que spectateur, la capacité de voir un main jungle qui va de jouer tous les champions du jeu. Qu'est-ce que c'est stylé en vrai.
Et derrière, on a Kingen qui fait des trucs. Il essaye de récupérer un kill, mais il n'y arrive pas. Parce que du coup, on garde les cooldowns du côté de Zeus par rapport à avant. Mais pour le coup, là, vous voyez que l'avantage en termes de niveau de la top lane, quoi. On a un kill, une assist. On a, certes, une plaque du côté de Zeus, mais on a 10 bières de moins. Et là, regardez au niveau des backs. Bon, certainement, il va back, il va peut-être avoir son item, Zeus. Mais le fait d'avoir un mythique contre 0 dans ce stade-là de la game, ça fait mal un peu. Mais il a quand même réussi à décaler quand même. Regardez là, il a réussi à obtenir le push. Du coup, certainement parce que du coup, Zeus était resté en top lane. Et que du coup, il a pu obtenir le push le temps que Kingen fasse le décalage. Il a certainement pu rattraper un petit peu son retard grâce à ça. Et pouvoir autoriser ce décalage derrière pour pouvoir punir le move des DRX. Donc, c'est bien vu du côté de T1. On sent que même si au niveau de la draft, bon, j'ai des réserves, il se laisse pas faire quoi. Effectivement, le mythique est récolté du côté de Zeus. Donc ça va en réalité. On est sur une différence qui est pas si élevée que ça. Parce que même s'il y a une assist d'avance et on a 10 bien d'avance, il y a une plaque qui rattrape un peu le tout du côté de Zeus, donc ça va. Donc ok. Du côté de la botlane, par contre, ça fait 600 gold de retard, ça fait mal, hein, ça fait très mal. Hein. Putain, waouh, l'autre sbire, on va dire. L'autre farm massif. 30 sbires. 30 sbires pour notre ami. Pour notre ami. Gumeshi. Bon, un peu moins du coup, on va plutôt parler de 25. 25 avant le... Ouais, voilà, après la wave, du coup. Derrière, on a une tentative de mouvement sur Pyossi contre Zeus. Zeus qui, du coup, ouais, il utilise sa zone un peu tard, donc il est dead. Non, par exemple, il utilise... Enfin, tôt, justement. Il utilise sa zone tôt. Il a pas de, ghost, en plus, le pauvre. Non, mais regardez-moi ça, quoi. Le fear de l'ulti de... Regardez ça. Ah, il a le temps de passer derrière. Putain, incroyable. Et ça, c'est parce qu'il y a une optimisation full mouvement de speed. Je crois qu'il a pris toutes les runes de mouvement de speed du côté de l'arbre de sorcellerie. Donc approximativement 0 qui ont eu un quelconque intérêt, d'ailleurs. Dans cette... Ouais, ok. À la fin, une fois qu'il a poussé Zeus, il le smite bleu. Voilà. Donc là, il gagne de la mouvement speed. L'avantage, c'est qu'il a pas besoin de mettre particulièrement de dégâts. Il a juste besoin de mettre du CC et de pousser l'adversaire vers Aatrox. Parce que Aatrox a déjà son éclipse, c'est qu'il est extrêmement fort dans la game actuellement. Et que Zeus a zéro résistance. Derrière, du côté des T1, pour le coup, ça va compenser un peu parce qu'on a Honor qui vient pour récupérer le farm de son top laner parce qu'il n'y a pas de TP et qu'il va perdre la wave de toute façon. Et derrière, du côté des T1, en bot lane, ça récupère la première tour en 1v1. Alors le problème, c'est que du coup, ça remet Dev dans la game parce qu'il va pouvoir farm de plus près par rapport à sa wave. Et c'est, on va le voir lentement revenir dans la partie grâce à ça. C'est un peu dommage, du coup. Ils n'auraient peut-être pas dû prendre la tour si rapidement que ça. Il y a peut-être du swap pour le coup. Je pense que c'est une plutôt meilleure idée, je pense. Surtout que Beryl va pas se retrouver très souvent avec Caitlyn dans la game. Et là, on a le Herald qui est réengagé du côté des RX. Alors du coup, forcément, pour T1, on se sent obligé de le contester parce qu'on a perdu le deuxième Drake, pour le coup. Donc on peut pas se contenter de trade, du coup. Moi, ce qui me fait surtout un petit peu chier, c'est qu'on essaie de contester des Heralds, mais je viens de me rendre compte qu'en fait, on a Bard en face. Du coup, je sais pas ce qu'il voudrait faire avec l'Herald, mais bon. Donc ouais. Il décide de tenter un giga 5v5, du coup. C'est ça, avec le Faker qui arrive un peu tard, et Zeus qui prend énormément de dégâts, Karia qui apprend un ulti. Là, le Herald qui reset, en plus, c'est la guerre derrière. Il y a re 8000 HP, Honor il est coincé dans le pit. Il y a Kingen qui rentre dans le pit au moment où Honor sort dans le pit. On a des wards qui sont utilisés parce qu'ils arrivent pas à voir la vision, parce qu'il y a des pings de partout. On a Kingen qui repasse derrière. Ils récupèrent le Herald finalement, les T1, ça va. Par contre, du coup, il y a 5-15 secondes avant le Drake, et par contre, ils n'ont pas la position. Donc c'est un peu chum. Et là... Ah, ça fait mal. Donc en gros, ils ont récupéré le Herald, et en fait, pour moi, là, à ce moment-là, les T1, ils doivent passer par le bas, en fait. Ils doivent passer par ce chemin-là, même si c'est moins rapide théoriquement que... Le passage direct de la mid lane, enfin, c'est mieux de passer par leur côté de la map pour pouvoir arriver vers le Drake et potentiellement contester ici l'objectif plutôt que d'aller tout droit comme ils l'ont fait, parce que là ils ont toujours Kingen ici, ils savent que Kingen est ici puisqu'il a dash out dans le pit de l'Herald, donc ils savent qu'ils sont à peu près dans cette zone là et qu'il est pas sur la top lane pour essayer de récupérer du farm, et donc soit il a back mais il a pas de TP, donc il peut pas back. Soit il est toujours là. Et du coup, le problème, c'est qu'ils essayent de contester la vision. Derrière, on a Zeka qui met des sbires, donc ils peuvent pas avancer, ils sont obligés de reculer derrière. Et là, on a Kingen qui arrive. Clac, clac. Ça aurait pu être encore pire.
Ça aurait pu être... Non, parce qu'il a un flash. S'il met un Q-spell sur 3 personnes, la game, elle est terminée. Elle est peut-être pas terminée, on est à 16 minutes, mais... Voilà. Le fait est que, du coup, au niveau macro, ils se font un peu pisser dessus. Et du coup, ils décident de lâcher le... Ils décident de lâcher le Drake pour pouvoir compter... trade, justement, sur la map, en prenant la T1 top, et je crois la T2, si je me souviens bien. Et parce qu'ils sont à 3, du coup, parce qu'il y a Faker dans le bush. Là, on a Kingon qui décide de pas se sacrifier pour pouvoir empêcher la charge générale. Il décide de mettre un gros stun chunk sur Zeus. Ça lui a bien miné des gros dégâts. Et derrière l'ulti. Donc, ils peuvent pas récupérer la deuxième tour, même s'ils ont eu la charge sur l'Herald. Du coup, ça fait que, ça récupère qu'une tour en top. C'est pas si foufou que d'entrer contre un Drake des montagnes. Parce que le problème du Drake des montagnes, c'est qu'on est face à un Varus létalité, donc qui a de la létalité, justement. Et un Faker qui est parti sur Echo de Luden. Donc, c'est de la pénétration flat. Ce qui fait que c'est extrêmement sujet à... extrêmement sensible à l'armure, justement, et à la résistance magique. Et en fait, ce Drake-là, le simple fait d'avoir récupéré un Drake du côté de Derrick's, ça a neutralisé toute la létalité de l'Eclipse, sans compter le passif mythique, et toute la létalité de... enfin, toute la pénétration magique de du Luden, quoi. Et donc, ça fait très très mal. Parce qu'on a des stats entières de l'item mythique des T1 qui ont été littéralement bousillés par un seul Drake. Sur une âme des montagnes. Et l'âme des montagnes, elle va faire que poser des problèmes à T1 dans la game, malheureusement, parce que comme on est parti sur deux itemisations full pénétration et que leur face ils prennent full armure, ça fait mal. Derrière, on essaye de trouver un kit sur Gouma qui fait des petits sidesteps, des petits pas, alors qu'il avait une flèche qui était en train de charger, donc il allait moins vite. C'est des bots de célérité, ça. Derrière, par contre, ça tente un truc sur Faker qui temporise très très bien pour le coup. Temporise très très bien. Derrière, ils peuvent se retourner sur Pyoshi qui a plus assez d'HP, plus assez de vie. Ça fait du bien de voir, par exemple, d'ailleurs, dans ce moment-là, que le Chic, là, il se fait littéralement courser par Faker et Honor, et il se fait rattraper et tuer, alors qu'il a pris full... il a pris full rune... il a littéralement pris full rune dans ses runes pour aller vite en domination. Est-ce que j'ai les... Je suis pas sûr dans les runes ici. C'est quoi, c'est là, ok, c'est ça. Il a pris Phase Rush, Nimbus Law, Celerity et Waterwalking. La distance travel, je crois que c'est un bug, hein, pour le coup. Je crois que c'est un bug. Je crois que ça fonctionne pas très bien sur Game Ball, du coup. Mais ouais, il a pris full vitesse du côté de sorcellerie. Mais voilà, Waterlocking l'est pas dans cette partie-là de la map. Nimbus Cloak l'aide que une fois qu'il utilise son summoner, mais pas quand il l'utilise pas. Et Celerity, c'est de la merde. Et Phase Rush, il l'avait déjà activé. Donc pas de chance, du coup. C'est quand même Chase. Et Zeka qui a failli se faire tuer, mais Honor loupe son ulti. Donc, ça va. Ça va pour les Derricks, on aurait pu payer plus cher. On a Beryl qui se refait catch derrière, mais il s'en fout, c'est Beryl. Voilà, essayez ses bardes, ça va, sa vie est ok. En plus, il est parti sur comment on appelle ça, la Kindle Gem, en premier item, ce qui est vachement bien du coup. C'est bien de partir sur les PV d'abord quand t'es un support, parce que ça te permet d'être vachement plus tanky en début de partie et donc de moins être sujet au catch. La Piochic, voilà. Bah, c'est dommage parce qu'il est parti sur un tank et Karim, mais ouais, il tank pas si bien que ça, parce qu'il est parti sur Kem Tank et que c'est pas fou. Pas fou comme item. Beryl, vous voyez, voilà, c'est ça. C'est à peu près ça l'interaction qu'on a avec Bard en général, c'est que il se met à côté des murs, et s'il se fait cesser, hop, Magical Journey, il s'en fout. Et encore, il aurait pu mieux passer son Magical Journey. S'il le place plus vers là, il est pas aussi proche de se faire ulti back par Gouma et un spell. Il est pas un spell de crever, quoi. C'est ça. Il ne prend pas une poulet de flèche et il meurt, quoi. D'ailleurs, on a les T1 qui investissent énormément pour réussir à... Voilà, on avait vu avec le push mid lane, du coup, obtenu grâce au bon trade qu'ils ont fait en top lane, enfin en bot lane, je veux dire. Ils arrivent à avoir tous leurs membres qui arrivent en décalage. Par contre, ils drop pas mal de cooldown. Donc là, il n'y a plus d'ulti Vigo, il n'y a plus d'ulti Varus, il n'y a plus d'ulti Karma. On n'a plus d'Ignite. Et on met tout ça pour essayer d'obtenir une T1 mid. Et là, par contre, le problème, c'est que dans ce setup de teamfight-là, c'est vraiment la merde. Parce que là, t'es en 5v5. Là, t'as un Pyoshik qui arrive sur le flanc, t'as Kingen qui arrive ici, et t'as une TP de Zeka qui arrive par le bas, avec Deft qui est sous la tour. Et derrière, voilà, Gumayoshi se fait charger, il a plus rien, il va crever. On a la partition impériale de Zeka qui ramène Honor vers ses alliés. On a Keria qui essaye de s'enfuir, on a un ulti de Pyoshik qui ramène... Regardez-moi ça, quoi!
Genre, dans la game, à chaque fois que j'ai vu les ultis d'Akarim, j'étais mais what the fuck, quoi. Regardez-moi ça, en vitesse normale. Regardez la distance qu'il parcourt. Regardez la distance qu'il parcourt, Faker, le pauvre. En plus, l'explosion, elle est vraiment unlucky parce qu'elle le pousse vraiment vers l'équipe adverse, quoi. Parce que c'est une espèce de... En fait, c'est une onde de choc qui part d'Ekarim au moment où il est à l'endroit où il sort de l'ulti. C'est pas un truc qui va forcément pousser dans la direction de l'ulti, quoi. Bref. Et du coup, vu qu'on a fait du 4 pour 0 du côté des DRX, on fait le dasher et là, la game, elle est très très mal embarquée parce que là, ils sont obligés d'essayer de contester ça, forcément. Parce que c'est T1, machin. Enfin, là, s'ils contestent pas le dasher, c'est la fin de la game, quoi, basiquement. Parce que là, derrière, ils ont dasher, ils push, ils ont le Drake qui respawn, ils ont 3ème Drake. Ils ont deux Drake des montagnes qui arrivent. Ils ont certainement récupéré toutes les T1 plus potentiellement une T2. Donc voilà. Par contre, et là par contre, faut le dire, ça c'est criminel. Ça c'est criminel. Je suis désolé, on se fait pas KS par un ulti-varus, quoi. Enfin, par une flèche de varus, quoi. Ou alors, il faut rester devant, quoi. Là, tu vois qu'il y a une Blue Ward. Tu sais que les mecs vont le venir. Je sais pas, moi, il y a un mec qui sacrifie, je sais pas, Kingen. Ingen, il doit sacrifier, Zeka il doit sacrifier, je sais pas n'importe qui. Quelqu'un doit empêcher ce Varus, je vais mettre une arrow quoi. Alors là pour le coup on va aller en 0.25 parce que là c'est quand même fou. Qu'est-ce qui se passe? Ok. La flèche vient de partir. Ouais on a 800 HP, il peut dire qu'il n'y a pas d'excuses. Ah oui d'accord, il se met tellement jamais. Ah oui d'accord, non c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Ok on va regarder, on va enregistrer le nombre, ok le nombre de frames que ça passe. Donc là ça vient de passer, donc première frame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ok. 17. Donc 17 fois, à mon avis, 16,7, on va dire. Donc on a 283 millisecondes, soit 0,3 secondes de réaction pour le smite. Sachant que t'es censé smite avant le 800. T'es censé smite au moment où il est à... Voilà, à 1100. À 1100, tu fais Q-spell auto-attack smite et tu prends le nashor. Ouais c'est ça, c'est dommage. C'est dommage pour Piosik du coup. Parce que du coup Gomei aussi qui récupère... Alors oui, alors par contre... certes, ça fait des dégâts, mais bon, là, le truc était à 400 HP parce qu'il y a eu le Q-spell de Kingen. Dommage. C'est dommage. Je suis pas sûr que si Kingen Q-spell, du coup, il n'y a pas... la flèche fait assez de dégâts. Je sais pas si la flèche fait 800 de dégâts. Avec une mana mule par chargée. Et du coup, par contre, ça, c'est la flèche salvatrice. Parce que là, du coup, du côté des T1, la vie, elle est vachement meilleure, là, pour l'instant. Ah, là, on respire un peu plus, quand même. Parce que là, on vient de se faire quasi ace. Là, on réussit à caisse le Drake. Là, voilà, déjà, bon. On prend T2, T3 en bot. Zeka qui, intelligemment, a push la top, le top lane pour pouvoir prendre la T2 en top aussi, du coup. Les T1... Par contre, là, les T1, ils bégayent un peu. À partir du moment où ils prennent les nibs, ils bégayent un peu, du coup, parce que... On a Faker qui essaye un peu de temporiser pour son équipe. Il flash out seulement. On a Kingen qui essaie de ralentir ses alliés, mais du coup il se fait tuer parce qu'ils n'arrivent pas à le tuer à temps avec Pioshik et Beryl parce que Beryl, enfin Pioshik fait pas assez de dégâts. Voilà, il peut pas go in, ils y prennent trop de temps. Beryl a failli crever. Faker qui prend la Magic Edge Journey, bon, pas obligé du coup, mais voilà. Et là ils peuvent pas, par contre, ils décident de pas continuer parce qu'il y a le Drake et pour le coup c'est très bien vu. Ils récupèrent le Drake. Là ça va, parce que du coup là on va faire l'opération inverse, parce que du coup là du coup c'est le Luden et l'éclipse de Aatrox qui viennent d'être annulés par ce Drake du coup. On va faire la partie inverse. Et l'avantage du côté de T1 c'est que le Drake Infernal ça fait du bien quand même au niveau des ratios, notamment les ratios de Gwen et les ratios de Varus et les ratios de Victor. On a trois champions qui bénéficient énormément des ratios du Drake Infernal, donc ça va. Derrière, alors comment est-ce que ça s'est mis tout ça? C'est ok, donc depuis que Zeka a back pour la... Après, sur la top lane, ça a full push grâce à Beryl, justement, qui push déjà tout seul une première wave. D'ailleurs, on a Gumayushi et Beryl qui viennent en top lane pour récupérer la T2 quasiment tout seul. Voilà, c'est ça. Zeka qui, en cross map, récupère la T1 en bot. Donc, on voit qu'il a il a une bonne vision de jeu, quand même, notre ami Zeka. Même dans les moments où un peu plus compliqué, il sait où
Il sait où récupérer des objectifs et des golds là où il faut. Moi, clic vert, ne regarde pas. Ce qui fait que finalement, on a 1,5 gold d'avance sur T1 après Snashor. Et juste une égalité en termes de gold. Alors là, on a Zeus qui fait un peu des trucs bizarres, mais ça va, il a un ghost. Et vrai, il revient, il en a rien à foutre. Du coup, il prend énormément de dégâts, mais il s'en fout. Il a une zone. Par contre, Kingen, il est en train de massacrer un peu les T1 de l'autre côté de la map. Il arrive à s'enfuir aussi. Il n'y a pas forcément de kill dans cette phase de jeu, surtout qu'il n'y a pas d'objectif, donc on s'en fout un peu, mais voilà. Et pas tellement en plus de cooldowns qui sont utilisés. Le cost va revenir d'ici le Drake, donc ça va pas trop de problèmes, je crois. Derrière, ça utilise la prio mid pour récupérer la T2. Ok, on s'avance des deux côtés. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, on a Beryl qui décide de face check un bush à 27 minutes de jeu, alors qu'on a, alors qu'il sait très bien que le Nashor n'est pas en train d'être fait et que le Drake respawn dans 55 secondes et qu'il est à l'autre bout de la map. Il décide de face check complètement un bush et il se fait one tap. Et derrière, ça commence le Nash du côté T1. Bon, normalement, si t'as vu tous les Nashors commencer dans ce BO, t'as un peu peur pour les T1. Du coup, il décide de cancel ça, ce qui est pas mal parce qu'en plus, ils prennent énormément de dégâts. Pas du Nashor, mais aussi, regardez. Du coup, là, en fait, comme j'ai dit, on a l'ulti de Deft. Derrière, on a le poke de Zeka. Et comme on se fait outrange du côté des T1 quand on n'a pas les flèches de Umayusi, du coup, là, il a mis son cooldown. Il a utilisé son cooldown sur la flèche pour essayer de toucher Deft qu'il n'a pas touché. Il a utilisé le E sur le Nashor. Il n'a pas de cooldown. Il a mis un deuxième E qui n'a pas touché Zeka. Derrière Zeka, il peut mettre des Q-spells. Ils prennent pas mal de chunks d'HP. Honor, il a plus d'HP. Il est obligé de back. 20 secondes avant le Drake. Kyoshi qui essaie de faire des trucs bizarres là. Pour l'instant. Ok, donc là le problème c'est qu'on a le Derinx du coup qui profite du back de Honor parce qu'il a pris un énorme chunk d'HP pour récupérer la position. Compliqué. On a Kingen qui est littéralement ici là, il s'en fout. Et Pioshik lui aussi, sa vie elle est incroyable aussi, il est derrière. Bon, je sais pas ce qu'il essaie de faire parce que pour le coup il peut pas faire grand chose vu qu'il est tank. Donc il va juste. Coucou. Voilà. Par contre, ah oui, ouais, ça c'est criminel. Ça, j'avais oublié cette partie là. Ouais. Kyria, il doit pas face check ce bush là. C'est pas normal. C'est pas normal. À 28 minutes de jeu, c'est pas normal. En plus, je crois qu'il a vu en plus que Kingen. Attends. Non, il a pas vu Kingen. Pour le coup, il a pas vu Kingen. Mais c'est pas normal. En fait, je vois pas quel est l'avantage. Je vois pas quel est l'avantage. Il a vu qu'il y a un trap en plus, vu que Honor est passé dans le bush. Enfin. Je vois pas quel avantage il a à aller dans ce bush là. Même s'il voit pas Kingen, même s'il y a pas Kingen, imaginons qu'on enlève Kingen de l'équation, ça sert à quoi pour Kyria d'arriver dans ce bush là en fait, à part pour mettre peut-être un Q-spell sur Deft. Mais Deft on s'en fout, il va rester sur Nashor du coup, et en plus il le voit avancer donc c'est vraiment compliqué. Il se prend le trap, derrière Kingen il a un premier reset, Gumesu il est obligé de flash out. Il prend pas l'HP Kingen forcément parce qu'il est un peu en caoutchouc. Mais ouais, pareil pour Beryl. Là, il met un ulti sur Gumayusi, il récupère le Drake parce que Honor peut pas, légitimement pas, genre ulti in pour essayer de smite un. Même s'il aurait pu tenter, il aurait pu ulti in et puis flash out en réalité. Mais derrière Gumayusi, il se fait ulti par Bard et là, derrière, il n'y a plus de flash, il est edge. Et à partir du moment où. On arrive à tuer le Aatrox quand même, nonobstant, pour du côté de T1. Donc là, du coup, ça fait une grosse épine dans le pied qui est enlevée. Parce que Kingen, il lose son ulti au moment où il essaie de go in sur Gumayusi. Donc il perd énormément d'HP. Derrière, il est récupéré par Zeus, qui est pour le coup, lui, a tous ses HP. Honor qui a eu un reset, donc le fight du Viego, la condition de victoire du Viego est activée du coup. Il peut récupérer un deuxième kill. Il ulti pour pas se prendre le trap lui. Et ouais, du coup ça prend pas mal de kills. Bon, est-ce qu'ils peuvent faire le Nashor grâce à ça? Je crois pas qu'ils font le Nashor grâce à ça. Après la vision. Mais qui prend pas mal d'HP à cause de l'ulti de Deft. Et pour le coup, regardez, Deft qui refait un peu son retard en termes de dégâts. Il arrive à faire autant de dégâts que Gumayusi aussi dans la game. Et même s'il a un item de moins, basiquement. Allez, un demi-item de moins, toujours. Il a refait son retard en termes de farm, il a obtenu des assists, et finalement, bah, sa game elle est pas si dégueulasse que ça en vrai maintenant. Il va mettre des pokes à l'ulti, toute sa game. Et un peu compensé pour les héros de Gumayusi. Mais ouais, complexe. Du coup, on a 3 Drake à 2 du côté des RX, et ça commence à faire énormément. Ça commence à bosser énormément, parce que là, Pioshik il va commencer à être intuable, du coup, pour le coup, même s'il fait pas de dégâts. Et Kingen il va de plus en plus être intuable aussi, hein, parce que là il va partir sur une danse de la mort, je crois. Ou vu qu'il a parti sur le Cofield, hein, il pourra pas partir sur Orange Gardien du coup. Mais voilà, ça plus Malmortus, il va commencer à être très 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 tranquille, notre bro. Zeka il est parti sur Banshee, du coup il prend moins de dégâts de Faker en plus en général. S'il prend Zonia, il est intuable, mais je pense qu'il va partir sur Abaddon, ce qui est une bonne idée.
Tac, bon derrière ça récupère des trucs, ça récupère des kills. Derrière en top lane, on a Kingen qui fonce sur Zeus, qui s'est un peu overextend. Et là, il y a toute l'équipe en face qui arrive. Le problème de Zeus, c'est qu'il peut pas faire une soise parce que c'est Aatrox et qu'il a un bump toutes les secondes. Donc il essaye de faire ce qu'il peut, mais là, c'est finito. Il avait aucune raison d'être là à ce moment-là, la partie, parce que certes, le Nashor est up, mais il n'y a aucune raison vraiment de push cette wave particulièrement par rapport à avant. Surtout qu'il a... Mais il a la vision sur Aatrox en plus. Il a une ward là. Il est ping en plus. Mais il continue d'avancer sur la deuxième wave alors qu'il sait qu'il est là. Ah oui, et du coup derrière ça décale parce que c'est Bard. Et derrière Zeus, ouais voilà c'est ça. Au lieu de s'enfuir, d'essayer vraiment de s'enfuir par tous les moyens, il décide de rester à l'endroit où il est, il se fait catch. Et il meurt. Et derrière, on est en 4v5 du côté des DRX. Et il décide d'engager le Nashor. Pendant ce temps, on a Pioshi et Beryl qui tentent un flank. Et pour le coup, c'est incroyable. Parce que là, on a Kyria qui sauve sa team. On a Kyria qui sauve sa team de fou. Parce que là, s'il n'est pas là pour se prévoir des flanks potentiels de Pioshi et de Beryl, là, toute l'équipe se fait wipe. Est-ce que ça va empêcher l'équipe de se faire wipe? Pas vraiment. Parce qu'on a Zeka et Pioshi qui foncent derrière. Et même si et du coup, Beryl survit. Mais derrière, on a Faker qui meurt et Kyria qui se prend un ulti qui meurt aussi. Et du coup, en fait, les T1 sont obligés de s'extraire dans cette direction-là. Et en fait, comme ils hésitent un petit peu en essayant de one-shot Beryl, et du coup, ils restent dans le choke point ici, ils peuvent se faire ramener par Zeka. Et derrière, ils meurent du coup. Et derrière, bon, ils ont réussi à stopper Nashor théoriquement. Et on est dans 35 secondes. On est. Est-ce que je peux. Ouais, on est à 33 secondes avant le Drake. Et on a 3 morts de plus par rapport à avant. C'est un peu complexe du coup. Surtout que c'est un Z qui marche sur Piotic, mais c'est pas comme si ça allait réussir à vraiment faire une grosse différence quoi par rapport à avant. C'est définitivement Leandre sur cette game d'ailleurs, sur Faker. C'est, vu le stuff de Piotic, vu en plus Aatrox qui va partir sur des HP avec. Enfin, pas forcément, il n'y a pas forcément d'HP supplémentaire derrière, mais il a pas mal d'HP en général pour le coup. On a le Shadow Flame sur Zeka. Et même Bard il est parti sur Shurelia, donc il a un peu d'HP. C'est 100% Landry sur cette game. C'est 100% Landry. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Alors, du coup, on a deux joueurs. Donc, on a. On a une wave qui est légèrement un peu push en bot, mais ça va, rien de trop grave. Sauf que ça va push en. Ça va Bard, je crois. Ça va reset là-bas. Bref, je sais pas. C'est pareil sur un topside. La mid lane, elle va être cut très rapidement par les DRX pendant que les Zeka et Pioshi qui sont sur le Drake pour récupérer la vision. Récupérer les Drake en fait, surtout. Il le fait en solo. Pendant ce temps, les DRX, leur but en top lane, c'est d'empêcher les T1 de faire le Nashor en cross map. Par contre, ils y vont un peu trop loin parce que du coup, il y a Kingen qui se fait récupérer. Et par contre, là, c'est compliqué du coup, du côté des DRX. Alors par contre, on a récupéré l'âme. Ça, par contre, ça fait mal. Parce que là, du coup, la game, la condition de victoire, elle est activée. On a récupéré cette âme. Pioshi qui est immortel, officiellement. Par contre, c'est récupéré. Le Nashor est récupéré du côté de T1. Donc là, ils ont 3 minutes pour gagner. Parce que s'ils ne gagnent pas derrière, tu peux pas contester le Herald contre une âme de montagne. Donc tu es littéralement obligé de faire un truc sur ce timing de 3 minutes. Mais là, vous voyez, les waves sont tellement loin. Là, on a Zeus qui est obligé de partir de très loin pour pouvoir push la wave en top. Par contre, du coup, la wave en bot, elle est désynchronisée par rapport à la wave en top, vu que Faker, il vient de back et de revenir. Du coup, la wave en top, elle est pas synchronisée par rapport à celle en bot. Les DRX sont la position. Ils ont pu cut très rapidement la wave mid, donc voilà. Ils mettent en plus la tourelle de Zeka, donc les T1 vont prendre encore un peu de temps à synchroniser les 3 waves. On a Zeus qui fait un gros chemin sur la top lane, mais qui va se faire matcher par Kingen. Il y a Cercolas par tous les DRX. Vu qu'il n'y a qu'une seule wave à gérer en même temps pour les DRX, ils peuvent s'occuper de cette wave-là, puis ensuite d'aller prendre la wave mid. Donc au niveau du wave management, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique du coup, parce que les T1 ne peuvent pas, ils peuvent pas jouer la wave mid, vu que tout le monde est là déjà. La wave bot maintenant, ça y est, elle fonce plus. Du coup, il n'y a plus personne. Du coup, Kingen peut la chauve. Et derrière, ils se décident de tous foncer sur la deuxième wave mid qui arrive. Mais ils se font très rapidement taper parce que c'est Azir Caitlyn en face et qu'ils tapent les sbires comme des camions. Et ils peuvent rien faire. Littéralement, ils peuvent rien faire. Là, on a Zeus qui tente un catch bizarre pour aucune raison. Là, Diapioshi qui va volontairement se donner. C'est très sympa de sa part. Il a littéralement rien à faire là. Il n'y a aucun camp. Il y a absolument aucun camp. Il n'y a que ces putains de raptors qui sont à l'autre bout de la jungle. Donc vraiment, ils se donnent pour aucune raison.
On a Kingen qui tente un flank, mais ouais, complexe. C'est ça, ils essayent de go in sur Zeus alors que c'est trop tard derrière. Ils n'ont pas besoin de go in sur Zeus en vrai. Hein. Ils ont vraiment pas besoin de go in sur Zeus du coup, parce que ça laisse une opportunité à T1 de récupérer l'inhib. Donc là, au moins, ils récupèrent cette inhib là. Mais il n'y a plus de Nashor. Et ouais. Donc vraiment, c'est vraiment, on sent que ce genre de move dans les games compétitives avec une fenêtre très très précise d'action dans une game à choke potentielle en game 5 des Worlds, c'est ce genre de choses qui peut arriver, c'est-à-dire qu'on finit par mal gérer nos waves en général, à moins bien préparer nos objectifs, aussi parce qu'en termes d'état système on n'est pas forcément aussi bon, parce que l'air certes on a de l'avance en termes de gold, mais l'âme des montagnes elle fait énormément de choses. En réalité tu regardes les items, tu vois que même si on a un demi-item de plus sur Faker, du côté de Zeka on a le Rabadon et la Banshee, donc il est meilleur, il y a genre 4 items, il n'y a même pas d'idée d'avance, je sais pas pourquoi je raconte ça, j'ai pas vu la Banshee, donc il a 4 items contre 3,5, quasiment. Même s'il a Faker, il a son bâton du vide là sur le back, donc voilà, mais il l'avait pas au moment où il y avait le Nashor. Là on a 3 items à... voilà, 3 items et demi à 3 on va dire, c'est ça, ouais, c'est ça, 3 items et demi à 3. Là on a pareil, 3 items et demi à 3. Surtout qu'en plus Kingen avec ses lances de l'amour il est bien bien tanky sa mère. Là on a 3 items et demi à 4 items, mais comme c'est un Age of Night c'est pas aussi fort que ça. Et là, en termes de support, à part l'item Award, on est littéralement en égalité. Et personne va récupérer pas autant de gold du côté du support, donc c'est compliqué. Et là, on est une minute 19 avant l'Elder. Donc, basiquement, celui qui gagne l'Elder gagne la game, parce que c'est l'Elder. Et que l'Elder, bon, quand tu joues avec 15% d'HP en moins plus un burn, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, quoi. Du coup, basiquement, on est sur le dernier objectif de la game. Et comment est-ce qu'on gère ça du côté des T1 alors qu'on a littéralement jamais pu contester d'objectif pour l'instant tant qu'on était à 5v5 toute la game. On a Gomoyoshi qui tente des trucs, qui tente des chaînes. En vrai, si ça touche, il y a potentiellement un moment où on one-shot, donc je lui en veux pas trop, surtout que ça revient assez vite, ces conneries, maintenant. Par sur une intimidation de létalité. Là, on a Faker qui arrive à dodge cette putain de... Il arrive à dodge ce putain d'ulti-bard. Regardez-moi cette... Regardez-moi cette ulti-bard, quoi. Genre... Vraiment, on en est là, quoi. Regardez. Il voit que Faker et Kaya sont là. Il voit qu'il y a un ulti, il y a une flèche de Gumayusi qui part. Regardez-moi ça. Donc Gumayusi, il est obligé de lâcher instantanément la flèche et de flash out, je crois. Et regardez-moi ce déplacement pixel, quoi. Là il a le temps de balancer un laser... de clic vers le droit, vers la droite et de S légèrement remonté, regardez, légèrement remonté à la dernière seconde. Oh là là, pixel perfect, littéralement pixel parfait, Faker sur celle-là. Honor qui tente des trucs. Et là, en fait, les T1 ils sentent qu'en fait en front to back ils perdent, basiquement, parce que y a la front line en face elle est trop grosse et les dégâts, les carry ont trop de range. Du coup, ils sont obligés de tenter un truc, en fait. Là, on a Honor qui arrive à trouver potentiellement un kill sur Beryl qui s'en sort à pixel HP. Genre, ils ont vraiment pas de chat. Il est obligé de flash out derrière. Yoshi qui arrive à s'enfuir avec un tiers d'HP. Derrière, Rédemption. Très, très beau, très, très bel item pour Chase de Beryl. Bon, avec Moonstone, ça aurait été mieux, mais ouais. Derrière, on a Kingen qui tente un flank. Il y a un flank derrière, au cas où. On a T1 qui essaie de burn très rapidement le Drake parce qu'ils sentent qu'il y a peut-être une micro-fenêtre qui commence à se lancer, mais bon, c'est clairement pas assez. Regardez, les Drakes sont déjà sur l'objectif. Là, on a Zeus qui dash à travers, mais qui se retrouve instantanément contre Kingen. Il prend pas mal de trucs, mais il prend mal de dégâts, mais derrière, il loupe, enfin, il vide son ulti, donc il a plus de dégâts. Et là, on a les traps de Caitlyn qui sont posées, c'est impossible pour Honor d'arriver dans le teamfight. Donc là en fait, il est obligé. Là, regardez, il est mis dans une situation de checkmate très rapidement ici, parce que là. Il a sa fumée qui dure, là, tac, 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 tac. Là, il n'y a plus de fumée, donc là, il est visible. Il est obligé d'avancer ici pour pouvoir rester au cas où les mecs décident de foncer sur le Nashor. Il est obligé de foncer là où il y a les... entre les trappes. Regardez, là, il est obligé d'avancer. Instantanément, Beryl, il met un ulti. Donc, il force Honor à foncer. Derrière, tout le monde arrête. Instant ulti de Pioshik. Et derrière, il pop l'ange gardien d'Honor et il le bute. Et il sécurise l'Elder pour l'instant. Pendant ce temps, je n'ai pas vu, mais il y a une téléportation de Faker, je crois, c'est ça. Téléportation de Faker, téléportation de Zeus. Alors, la question c'est, est-ce qu'il vaut pas mieux qu'il n'y ait que Zeus qui se TP, en fait. TP, en fait, pour le coup.
Parce que l'avantage de Faker par rapport à Zeus, c'est que Faker, il peut interrompre une téléportation. Zeus, il peut pas. Là, par exemple, si Faker, il téléporte pas, il peut potentiellement essayer d'avancer vers, vers Kingen. Et s'il arrive à mettre un ulti max range, il interrompt la téléportation. Et là, un truc qui se passe. Là, le problème, c'est que là, il meurt trop rapidement, les T1 à cause de l'Eldor. Regardez. Là, il reste Honor qui se fait one tap. Et là, on a Karia qui a plus d'HP qui se fait instantanément tuer. Uma, il est obligé de se barrer. Et là, à partir du moment où on a Kingen qui a réussi à TP, donc il est en train de mettre un Giga Chunk, en plus avec l'Elder, voilà, il tue instantanément Faker, basiquement lui tout seul. Et derrière, on a Zeka qui l'empêche de crever, parce qu'il a réussi à back. Vous voyez aussi qui est à deux doigts de trouver un catch en plus magique miraculeux, mais il y a une, stopwatch, donc il ne peut pas le tuer. Enfin, c'est vraiment... ça se joue vraiment les cooldowns pixel perfect sur la fin de match, et derrière, bon, là on est en 4 contre 1. Avec, regardez le putain de Bard qui est là pour empêcher les sbires de terminer la game. Et là, bah, on est sur du 4 contre 2, quoi. On est sur 4 contre 2 avec l'Elder, donc au bout d'un moment, enfin, t'as beau être T1, t'as beau être le meilleur joueur du monde, là, on a Karia qui essaye d'attirer les joueurs plus loin, mais c'est finito. Finito. Et c'est la victoire des DRX. Incroyable. Et c'est une histoire folle, hein. Ça a été une finale folle, hein. Honnêtement, c'était potentiellement la meilleure finale que j'ai vue de ma vie, en réalité, parce que... pour le coup, j'avais vraiment cette sensation que Derek, enfin Derek, non, Damwon, l'année dernière, avait vraiment pas joué au maximum de leur capacité. Et c'est ce qui leur avait coûté le titre, selon moi. Je pense que s'ils jouaient de la manière qu'ils avaient joué l'année, ils remportaient 100% le titre. Donc ça, j'étais un peu déçu par cette finale-là. La finale de 2020 était vachement plus one-sided que ce qu'on pensait, en réalité. Il y a eu une game qui a été prise par les Suning, mais en réalité, Damwon a juste été trop fort dans cette année-là. Et derrière, bon, bah, les deux dernières, les deux autres finales, bon, bah, c'est l'Europe contre la Chine, quoi. On s'est fait 3-0, c'était rigolo. Ouais, en réalité, des finales entre deux, il n'y en a pas eu autant que ça. Et le fait que ce soit l'underdog, c'est vraiment particulier, c'est vraiment beau, quoi. C'est une performance incroyable. Ils ont commencé dans le Gauntlet, dans le Last Chance Qualifier de Corée. Ils sont arrivés au play-in, ils ont terminé premier de leur play-in, ils n'ont pas perdu une game, ils ont fait les groupes. Ils sont terminés premier de leur groupe, ils ont battu Edward Gaming, les champions du monde en titre, hein, en 5 games, en faisant le deuxième reverse sweep de l'histoire des Worlds, pour ensuite tuer le seed 1 de la Corée. Tuer le seed 1 de la Corée, Genji en 3-1, et derrière venir s'imposer contre les T1 en 3-2, après un BO5 dantesque comme ça, c'est fou. Et ouais. Donc voilà, j'espère avoir rendu honneur suffisamment à cette finale en faisant une vidéo très très longue, mais en vrai c'est la fin de l'année, c'est le dernier match officiel de cette année, donc il fallait vraiment rendre honneur à ce tournoi, ces Worlds qui étaient selon moi, oui, et comme pas mal de gens l'ont dit sur Twitter, probablement les meilleurs Worlds de l'histoire de League of Legends en réalité pour l'instant, parce que on a eu énormément d'incertitudes qui ont été crush, hein, basiquement. On a eu des espoirs, on a eu des désillusions, on a eu des flopitos, on a eu des performances de fou venant de joueurs qu'on n'attendait pas du tout. Notamment Zeka, hein, c'est le premier mec qui vient à l'esprit. Hein, la performance qu'il a sortie pendant toutes ces Worlds est incroyable. On a suffisamment utilisé de superlatifs pour DRX, mais c'est définitivement une équipe incroyable et une performance qui restera jamais dans l'histoire de League of Legends, donc c'est incroyable. J'en profite pour dire d'ailleurs une petite dernière chose, parce que là on est, je laisse un petit peu la vidéo dire que même si les qualités des caméras sont stylées, le zoom sur les gens en dépression, je suis pas extrêmement fan. J'avoue que là, bon, vous êtes un peu des salopes, les ops. Voilà, faire le giga zoom sur Karia qui pleure, on aurait pu s'en passer. Vous auriez pu le cibler, vous auriez pu le filmer de loin. Et filmer les mecs qui sont déçus par rapport à... Et pas forcément filmer en gros plan les plans du mec, mais bon, écoutez. Bref. On est évidemment extrêmement content pour les DRX. Pour les T1, bon... Je pense que les principaux défauts des T1 dans toutes ces games, je pense vraiment que ça a été la draft. Honnêtement, je pense que les deux équipes étaient vraiment au coude à coude. Je pense pas qu'une équipe était... Je pense même que les T1 étaient potentiellement meilleurs individuellement par rapport à DRX en totalité, on va dire. Mais il y a des erreurs que tu dois pas faire en draft. La game 4, elle est criminelle. La game 4, la draft de la game 4, ça c'est la game 5. La draft de la game 4 avec la Kalista, c'est criminel. Ça doit pas être fait, ça.
avec la Akali, la Kalista, c'est des trucs qui doivent pas être faits, ça. C'est pas possible. La deuxième game, en mode full comfort pick et tout, on fait des... On prend les picks qu'on a envie de prendre et on s'en fout de comment est-ce qu'ils interagissent dans la draft et on fait une compo qui a aucun sens. C'est pas possible. Et la première game, elle est donnée par Derrick dans le BO. Parce que Derrick, c'est une équipe qui monte en puissance, machin. Là, ils avaient clairement une meilleure draft. Mais c'est définitivement les inconstances qu'ils ont eues pendant pendant leur draft et pendant les games qui leur ont coûté ces ultimes moments. Et selon moi, vraiment, s'il y avait vraiment un BO qui a eu autant d'impact, ou la draft a eu autant d'impact, c'est celui-là. Je pense par exemple que le BO contre JDG, par exemple, c'est un BO où il a... Et par exemple, oui, c'est ça. Le BO contre JDG, c'est un BO où la draft n'a pas eu autant d'impact que ça, par exemple. Et théoriquement, on peut dire que c'est à peu près aussi pareil pour le BO, par exemple, entre Damwon et Genji, et le DO entre Genji et Derrick. J'ai l'impression aussi que c'est à peu près pareil. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai analysé que les dernières games, parce que c'était... Les games qui selon moi étaient un peu le plus représentatif du truc, mais on a eu des games qui étaient perdus à la draft et des games qui étaient gagnés à la draft pendant à peu près tous les BO. Là, les games 3 et 4, c'était des games qui étaient perdus à la draft, hein, basiquement. La game 1 était aussi perdue à la draft, selon moi, même si il y avait moyen de faire un truc avec... Il y a toujours moyen de faire un truc avec Aatrox, de toute façon, parce que voilà, mais... Mais ouais. La game 2 est pas perdue à la draft, elle est perdue à l'itemisation aussi. C'est ça le problème, c'est que... En fait, c'est incroyable d'avoir autant de rigueur du côté de T1 au niveau de la manière de jouer, du mode d'entraînement, des capacités individuelles mécaniques, et même de la macro en général. La plupart du temps, la macro est pas si dégueulasse que ça en réalité. Bon, il y a eu quelques chocs dans la game 5, comme j'ai dit, avec la gestion du Nashor, mais... Et aussi la contestation des objectifs, notamment les RAL, mais... En réalité, on a un game sense et des mécaniques qui sont incroyables. Et c'est bizarre d'avoir autant de rigueur dans ces aspects-là du jeu et aussi peu de rigueur dans l'itemisation et dans les drafts, qui est un peu déplorable. Parce que c'est ce qui, selon moi, leur a coûté leur game, en réalité, dans ce tournoi-là. Bon, ils m'ont bien baisé mes picks, en tout cas les Derrick, ça me fait plaisir. Ah, j'aurais dû plus croire en eux. Hein. J'ai cru en eux pour les quarts, j'ai pas cru en eux pour les demi, j'ai pas cru en eux pour la finale, J'aurais dû. Bravo à Derrick. Bravo à Zeka, bravo à Kingen, bravo à Pyushik, bravo à Beryl, bravo à Deft. Deft est sa last dance. Incroyable. Incroyable performance. Bref. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous aura plu. Ça aide au référencement. Si vous voulez ne pas manquer les prochains épisodes de Draviap, on essaiera de parler des équipes un petit peu moins en vogue ces derniers temps. Notamment des équipes potentiellement de LFL avec la Carmine, avec comme Geo, comme LDLC par exemple. Et aussi des équipes LEC. Potentiellement, même si ce sera certainement pour les équipes LEC, vu que j'ai déjà fait pas mal de matchs de LEC par rapport à la LFL, j'ai certainement plus faire des vidéos qui ne sont pas des draft gap. Donc voilà, pour voir un petit peu tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche pour avoir les notifications. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine !